Number one, put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shop now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, you know, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now, mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number two. Bonjour, bonjour, bonjour et bonne fête de Pâques à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour notre émission, notre, je ne sais pas quel mot utiliser, notre rencontre, c'est peut-être plus le bon mot, tous ensemble pour partager, on est aujourd'hui déjà lundi, mais enfin, peu importe, partager la joie de Pâques et que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. J'escompte que la majorité, vous étiez hier à l'office, à l'église, à la messe, au service religieux, et mais vous avez déjà pu fêter la résurrection de notre Seigneur. Il y a eu le vendredi noir, mais il y a le vendredi noir. Ce qui est important, c'est qu'après le vendredi noir, il y a le dimanche matin avec la joie de la résurrection. Alors, mais bienvenue à tous. Qui est là pour la première fois ce soir à une de nos rencontres, émissions, j'aime pas trop, ça fait un peu trop télé, de nos rencontres. Tout commence par Dieu. Je reconnais des habitués comme Patrick, comme Marie, Magali, Jean-Pierre, Gilbert au Canada, Pascal sur l'île de Ré. Qui est là pour la première fois? Dites-le moi dans le chat. Bonsoir Amélie, François, je crois que tu es là pour peut-être la première fois. Je te connais de longue date, mais la première fois dans notre rencontre « Tout commence par Dieu ». On est aussi honoré d'avoir Sparte d'Haïti. Haïti est avec nous. On devrait certainement avoir Annie du Congo qui va nous rejoindre. Également le Cameroun avec Nicole. Donc, on est une super équipe. Et ce soir, comme je vous l'ai annoncé, j'ai le plaisir et le privilège d'être accompagné par mes deux amis pasteurs que vous connaissez. Je veux parler de Luc Bussière qui est à... Je ne sais pas s'il est à Mulhouse aujourd'hui, il vous le dira. Et Félicien, s'il n'est pas à Kinshasa. Il est à Paris. À Paris, il est à Paris.
Alors, comment vous vous sentez ce soir? Est-ce que vous avez bien fêté la résurrection? Est-ce que vous avez vraiment ce feeling que Jésus est vivant? Dites-le-moi dans le chat, s'il vous plaît. Michel, bonsoir. Ah, je vous sens pas très réveillé là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ce soir? On va faire ce qu'il faut pour vous réveiller. Je vois aussi qu'il y a mon ami Gilbert du Canada qui est là. Jean-Pierre de Martinique. Manu de Monaco, à côté de Monaco. Cap d'Ail, c'est ça? Beaulieu? Oui, il est vivant. Mais vous, je vous trouve pas très vivant, hein. Il serait peut-être temps aussi d'être. Alors, le but de cette soirée, eh bien, c'est d'échanger ensemble de cette rencontre, c'est d'échanger ensemble sur. Je sais pas si c'est la plus grande ou si c'est Noël ou si c'est Pâques, peu importe. Cette grande fête de tous les amis, de tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est le but de passer une soirée où le but, c'est que vous aussi, vous participiez, vous preniez la parole et on va passer un moment vraiment sublime ensemble. On a prévu de finir sur le coup de 22 heures. Si besoin, ben, pas de souci, on pourra déborder. Alors, pour commencer, mais je voudrais tout simplement reprendre une partie de l'évangile de Jean, et que je vous invite, si vous avez une Bible avec vous, d'ouvrir votre Bible au chapitre 20, de Jean. Sinon, vous pouvez l'avoir sur votre iPhone, hein. Maintenant, quand je vais à l'église, habituellement, je retrouve la Bible sur mon iPhone. Donc, on peut le voir ensemble. Au chapitre 20, c'est l'avant-dernier chapitre de Jean. On va reprendre les premiers versets de ce chapitre et ensuite nous allons commencer notre tour de table, notre échange entre nous. Alors, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, ce qui est intéressant de voir, Marie-Madeleine, c'était aussi la première à rejoindre Jésus et qui se retrouve là le matin de Pâques, se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: On a enlevé la pierre du tombeau, le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils coururent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, c'est Jean en l'occurrence, courut plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Il se baissa, vit les banderoles qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Sinon, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier, tombe au tombeau, entre aussi. Et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait devant, dehors, près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu?
Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabougri, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vous et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, je vous invite à partager ce texte et vos réflexions, bien sûr. On ne va pas se limiter à ce texte, à partager cet évangile, cette grande fête qu'est Pâques avec mes amis pasteurs, et que ce soit Félicien et Luc. Félicien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quelle est ta première introduction, je veux dire, quelle est ton introduction pour cette soirée? Merci beaucoup aux amis. Je pense que c'est loin, mais nous sommes près du cœur. Que le Seigneur soit béni et puis joyeuse fête des Pâques encore, puisque nous continuons encore à nous le souhaiter. Et si je dois dire quelque chose par rapport au texte lu tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que l'évangéliste Jean ou l'apôtre Jean n'est pas le seul qui parle de ce texte. Les quatre évangélistes étaient d'accord et ils ont écrit quand même quelque chose sur ce qui s'est passé là. Donc, pour ceux qui ont un peu de la connaissance, on appelle ça les synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui peuvent se lire en parallèle. Et là-dessus, vous allez voir que Jean et puis l'apôtre Marc, ou l'évangéliste Marc, et encore Luc, présentent ici une même vue, de cette manière-là bien que. Mais Matthieu, lui, il dira autre chose. Mais en conclusion, entre les quatre, ils veulent simplement dire « Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant, et les tombeaux est vide. » Voilà ce que je peux dire d'emblée pour pouvoir introduire ces moments que nous partageons tous ensemble. Et en partageant cela, c'est une richesse, parce que quand on partage de l'argent ou on partage un gâteau, ça diminue. Mais quand on partage l'amour, ça grandit. Et en partageant, n'est-ce pas, cet amour de Dieu, je suis sûr que ça grandit dans notre cœur et ça nous rapproche encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je voudrais aussi demander après à quelques-uns d'entre vous, parce que merci à tous de votre présence, parce que je vous vois très, très nombreux ce soir, ce qui est génial. Et d'habitude, je commence et par ça, mais j'ai passé au-dessus, mais je voudrais quand même revenir que sur une parole, je crois que c'est de Matthieu, Luc pourra certainement le confirmer, que là où deux ou trois d'entre vous est réunis en mon nom, je serai parmi vous. Donc ce soir, on n'est pas seul, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie ressuscité. Merci de ta présence, Luc. Quels sont tes premiers mots pour ce soir? Écoutez, je vous salue d'Alsace.
où on a passé, bien sûr, de très bonnes fêtes de Pâques, et on a l'occasion, dans notre petite ville de Guebwiller, de fêter ça, tous ensemble, évangéliques, protestants, catholiques, adventistes, tous ensemble, on fête ça. La semaine dernière, il y a beaucoup d'amitié qui nous unit, et une grande espérance et de grandes richesses de lecture et d'interprétation des textes, et surtout la grande richesse que ce Christ ressuscité, il habite en nous. Et donc, quand on fréquente des hommes et des femmes, des frères et sœurs, quelle que soit leur dénomination chrétienne ou autre, eh bien, en fait, on touche une partie de ce Christ qui est là, présent dans les autres, comme une famille. Et donc, on est enrichi de cette présence vivante aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté du corps de Christ. Il habite sa famille, il habite en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a tellement de joie à se retrouver et à le fêter. À chaque fois, on prend comme une décharge de vie. Et on en a bien besoin dans ce monde qui sent quand même beaucoup la mort et une culture de mort. Et donc voilà, c'est d'autant plus important de vivre cette Pâque et d'y réfléchir ensemble et d'ensemble se laisser porter et interpeller par un texte qui est une parole de Dieu et donc par définition qui est vivant. Voilà, mes amis, salutations à tous, et une joie de partager ce soir. Merci, merci beaucoup, Luc. J'aimerais poser la question à ceux d'entre vous qui veulent prendre la parole, ou sinon j'en désignerai. Que représente pour toi Pâques, par exemple? Mais je vois Michel là-bas qui est au bout du monde, aux Philippines. Si tu peux nous dire un peu, partager avec nous, c'est quoi Pâques pour toi, Michel? Mets ton micro si besoin, ou sinon Antonio Ouais. va t'aider. Je ne sais pas, il devrait fonctionner là, le micro. Ouais, ça fonctionne. Bonjour, bonjour, Bon, bonsoir, bonne nuit, je ne sais bonjour. pas le temps qu'il est chez toi maintenant. Bon, ouais, c'est hard, c'est 2 heures du matin là. Oh. Mais tu es Bon, infidèle. on y arrive, c'est pas grave, mais c'est un peu dur. Écoute. J'ai du mal à mettre mes idées en place là. Nous, on a passé un moment qui a été surtout festif en fin de compte. Aux Philippines, c'est très traditionnel de reconstituer le chemin de croix. Et cette année, on a fourni, j'avais mis une petite photo, on a fourni un ami là qui a des cheveux longs et qui a joué le Christ et qui a défilé dans toute la ville pour monter sur une petite colline où là il a été mis symboliquement en croix quoi. Et on s'est retrouvés nombreux le jour de Pâques là, donc dimanche, à festoyer, à partager ça. Ça avait plus un caractère festif qu'un caractère religieux d'ailleurs. Voilà, mais c'était quand même sympathique. Et pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça représente? Ben, moi, je découvre hein, dans tout ce domaine-là. Finalement, j'étais ni pratiquant ni véritablement croyant jusqu'à pas longtemps, jusqu'au moment où j'ai commencé à voir cette première émission là, et ça m'a beaucoup interpellé. Donc, là, j'ai passé beaucoup de temps un peu en méditation pendant cette période, à essayer, entre guillemets, de suivre le chemin de Christ dans cette période entre la montée à la croix et puis, je sais pas, à l'imaginer mort dans le tombeau et à essayer de vivre ce phénomène de résurrection. J'en ai conclu une chose, c'est que ça peut-être, hein, s'adapter à notre propre vie, à soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vaut peut-être la peine de mourir à tout ce qu'on a été et de vivre une véritable résurrection dans sa vie pour aller encore plus proche de sa vraie vie, encore plus proche du partage avec les autres. Voilà, voilà ce que ça m'a un petit peu, voilà ce que ça m'a inspiré et ça me travaille. Voilà. Ok, super, merci, merci beaucoup à toi, Michel.
Michel, parce que parfois je confonds entre le, avec un autre. Alors peut-être, je vais aller à l'autre bout de la terre. Là, je vois qu'il y a Sparte de Haïti. Ça fait plaisir. On est vraiment sur les, qu'on peut dire, sur les quatre coins de la terre, là. Je sais même pas, la terre est ronde, comment est possible qu'il y ait des coins? Mais enfin, sur les quatre coins du globe. Bonsoir, Sparte, et enchanté de te retrouver avec nous. Comment toi tu as vécu Pâques? Bonjour, comment bonjour tu le ressens Drive. En toi? Bonjour, bonjour tout le monde, Drive Pâques. J'ai vécu une situation beaucoup un peu différente de vous parce que Haïti vit une situation extrêmement difficile, une situation de sécurité. Avec cette raison-là, moi-même, j'étais bloqué dans le nord d'Haïti. Je n'ai pas pu rentrer chez moi à Port-au-Prince, là où je suis là maintenant. J'ai passé près de 2 mois bloqué dans la zone parce qu'il n'y a pas de circulation et au niveau terrestre et au niveau aérien. Mais heureusement, hier, j'ai pu trouver un ride pour venir dans un hélicoptère des Nations Unies pour repousser chez moi. Ça veut dire que je n'ai pas pu sortir, mais en arrivant chez moi après 1 mois, j'ai dû célébrer avec ma femme à la maison. Et ça représente quoi pour toi et ta famille? La Pâque, normalement, nous-mêmes en Haïti, et que vous soyez protestant, catholique ou autre, généralement, on célèbre la Pâque comme la fête de la résurrection de Jésus, ou Jésus qui nous sauve, Jésus qui est là pour nous bénir, qui est là pour nous guider, pour nous protéger. On sait effectivement, c'est une victoire et pour nous et pour les autres. Et la Pâque, c'est un synonyme d'harmonie, une synonyme de vivre ensemble. Super. Merci. Peut-être avant de demander un retour au pasteur, je vais aller faire un tour vers la Belgique. François. Comme ça, on viendra un peu au centre en Europe. François, toi qui es le maître organiste, comme ça qu'on dit, le champion à l'orgue dans plusieurs églises du Namurois lors de Pâques, comment toi tu ressens et tu vis Pâques? Mais le son, on ne t'entend pas. Ah! Vas-y. Il faut activer son micro. Active ton micro. Voilà, mais il ne voulait pas que je réactive, il voulait l'autorisation. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, François. Oui, ben donc pour moi, c'est toujours une semaine spéciale, puisque depuis 28 ans, je suis chanteur organiste, forcément. Ben, c'est une période qui est très intense pour nous aussi, puisque quand on est organisé en plusieurs paroisses, ben, il y a beaucoup de célébrations à tous les niveaux. Donc, c'est quelque chose qui est toujours intense, notamment la veillée pascale, hein, qui est quand même toujours très puissante, puisque je ne sais pas si ça se pratique chez vous aussi toujours, mais chez nous, en tout cas, on fait toujours un feu de bois dehors. Donc, tout commence dehors avec le feu de bois, et puis on allume les cierges, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très puissant. Et il y avait cette année-ci, en plus, quelque chose qui m'a marqué juste 15 jours auparavant, lors du dimanche du pardon, où mon abbé avait eu une parole qui était très puissante et qui disait que le pardon du Seigneur soit le printemps dans vos cœurs. J'ai trouvé ça absolument magnifique comme parole, parce que finalement, la résurrection, c'est ça aussi. Et petite anecdote, ici, cette fois-ci, justement, alors que le curé venait de se fracturer le fémur, donc on a dû faire une messe entre paroissiens, parce qu'on n'a pas su avoir obligatoirement de prêtre, malheureusement, de la veillée pascale, ce qui n'était pas le cas hier. Lors de la renaissance du Christ, événement particulier pour moi aussi parce que je suis dans une situation émotionnelle difficile pour l'instant à cause de ma compagne qui avait disparu entre guillemets si j'ose dire. Voilà, ces prières là et la résurrection, le lendemain en fait elle est revenue, donc c'est une forme de résurrection. Alors ça ne veut pas dire qu'elle m'est revenue, mais par contre je l'ai retrouvée le dimanche matin après la célébration justement réellement de la fête de Pâques. C'était probablement pas du hasard, mais effectivement, je l'ai croisée ici à Namur, où j'ai pu la retrouver après 2 mois totalement d'absence. Et donc, finalement, ça a pris une symbolique tout à fait particulière cette année-ci, parce que résurrection, revenue, en fait, quelque part, une sorte de résurrection. C'est assez anecdotique,
ça me regarde, mais c'est important parce que c'est très symbolique justement par rapport à cette dynamique de la semaine sainte. Il y a une semaine ici, bah oui, forcément, bien sûr, on a toujours cette fête, comme on parlait auparavant. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi, donc je veux dire Haïti. C'est. Oui, mais voilà, c'est ça, merci. Ben oui, bien entendu, il y a la tradition de l'agneau pascal, etc. Mais avant tout, c'est d'abord profondément religieux et des retrouvailles entre personnes et une célébration qui est très intense et qui fait que chacun réellement est en introspection aussi par rapport à ça. Voilà. Et à titre personnel, je dirais que c'est une double résurrection cette année-ci, à la fois du Christ, à la fois la réapparition de quelqu'un. Ben en fait, donc c'est un côté un petit peu magique, au-delà de la symbolique et au-delà de la réalité, bien entendu, de la résurrection, sur le plan biblique. Merci, merci François. Peut-être, je vois qu'on a pas mal d'amis canadiens qui sont là ce soir. Gilbert, pour continuer notre voyage, bonsoir Thierry, aussi canadien. Gilbert, tu as le micro. Oui, j'ai le micro. Bonjour. Bonjour. Bon, ouais, bonjour, c'est encore bonjour chez toi. Moi, il fait clair ici. Ouais. On est 6 heures de décalage. On a un avantage. Des fois, on a un inconvénient, mais là, c'est un avantage aujourd'hui. Fait que, comment ça se passe à Pâques chez nous? Bon, on fait des fêtes familiales. On était 20 quelques personnes dans notre maison hier soir. On a fêté ça tout ensemble. C'était vraiment agréable. C'est pas très religieux comme toi, tu l'as poussé, là. Au Québec, on dirait que les gens ont oublié tout ça, puis ils comprennent pas toujours quoi faire, comment le faire. C'est comme si dans là, 20 ans, 30 ans, c'est le Québec qui était plus religieux qu'il l'est aujourd'hui. Je sais pas pour quelle raison c'est rendu comme ça, mais c'est toi, Roger, avec toutes tes émissions, tes affaires que tu as faites, que tu m'as rappelé à l'ordre, puis tu me dis, ben, regarde, là, écoute, écoutez, puis j'ai trouvé ça bon, puis. On a toujours besoin des autres, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin. Quasi des autres, ça peut être le Dieu, ça peut être tout autour, nos archanges, nos anges, mettez-en, là. Puis moi, j'en ai besoin souvent de mes archanges puis mes anges, fait que je m'en sers. Ils travaillent pour moi à plein temps. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, c'est pour ça que j'ai profité de cette belle journée-là pour être présent, c'est tout. Puis je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui. Et ça représente quoi pour toi, Pâques? Autour de toi, ils sont moins engagés, je dirais, mais toi, Sont moins personnellement. engagés, mais moi, c'est pas important, les autres, c'est nous autres, hein, dans le fond, c'est Bien comme. sûr. Ben, j'écoutais Moïse, justement, hier soir, là, je sais pas si tu as vu ça sur Netflix, c'est vraiment bien. Tu sais, quand tu vois la guerre en Israël, toutes ces choses-là, mais à cette époque-là, ils étaient déjà en guerre, ces gens-là. On dirait qu'ils y sont tout le temps. Puis, quand on voyait Moïse qui monte sur le mont Sinaï, des choses comme ça, j'écoutais ça hier, c'était vraiment formidable. Puis, ça vaudrait la peine que vous l'écoutiez parce que c'est vraiment bon. Je n'ai pas tout fini de l'écouter, là. Je vais trouver d'arrêter, mais c'était vraiment une source que les gens devraient l'écouter. En tout cas, ça ressource, ça donne un peu les bases de tout ce qui arrive dans le monde. Puis des fois, on ne pense pas que c'est juste pour les autres, mais non, c'est dans le monde que ça arrive. C'est toute la planète au complet. Fait que en tout cas, Moïse, je trouve que c'était un bel exemple en tout cas, la façon que ça a été imagé, c'était vraiment formidable. Ben, c'est vrai que j'ai aussi regardé les trois d'affilée le jour où ils sont sortis Ah avec, oui? avec Salma et Ronnie. Lily, elle dormait un peu, mais Ronnie, il a regardé une bonne partie aussi. Les trois d'affilée, c'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est quand même, je pense, très proche pour avoir lu plusieurs fois l'Exode. C'est quand Oui. même très proche de ce qu'il y a, de ce qui est La écrit réalité. dans l'Exode. Et ce qui est magique, c'est de voir. Parce que justement, c'est le lien quand la mer rouge, et peut-être je demanderai à Luc de rebondir là-dessus, le Ah oui, c'est moment, bon. la Pâque commence, le début de la première fois Pâque a été fêtée, et là je laisserai Luc, c'est l'expert en la matière, nous en parler, c'est quand Moïse a été là devant, et c'est vrai que l'image est très puissante, tu vois tout le peuple qui le suit, il est devant la mer, elle est là, et à un moment, il prend le bateau et met son bâton, et Dieu ouvre la mer Rouge, et il y a le pharaon juste derrière, après qui va les s'engouffrer.
et il va engouffrer l'ennemi. C'est vraiment un moment de foi extraordinaire. Mais quand tu écoutes le pharaon, c'est pas très positif, ils sont très, très autoritaires et très, très, en tout cas, qui prenaient tout l'argent des autres, puis t'es dur, des gens durs. Mais quand tu. Moi, le pharaon, je me souvenais pas que c'était ça, mais quand je l'ai vu hier, je dis, wow, c'est vrai, ça représente ça, c'est pas la dictature, prendre. En tout cas, si vous avez la chance de l'écouter, cette émission-là, c'est formidable. Fait Ouais, que. c'est sur Netflix, on peut faire la pub, c'est vraiment très bien fait. Bon, Pharaon, c'est l'ego à 1000% et Moïse, c'est l'humilité à 1000%. Et donc, c'est vraiment les deux qui s'opposent. Et Dieu et Moïse qui le suivent, c'est eux qui vont, une fois de plus, gagner. Ok, merci Gilbert. Luc, si tu peux rebondir dessus peut-être. Oui, en tout cas, cette Pâque chrétienne est difficilement compréhensible sans comprendre la première Pâque. Et la première Pâque qui s'écrit sans un S, la Pâque chrétienne, il y a un S à la fin. La première Pâque, c'est cette Pâque juive qui en fait met en relief la puissance de la Pâque avec Jésus. Alors cette première Pâque, ben c'est un peuple d'esclaves, le peuple d'Israël, esclave en Égypte, effectivement. Et le mot Pâque, c'est un mot hébreu, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire c'est Pessar. Et Pessar, ça veut dire le passage. Le passage. Alors le passage vers quoi? Ben le passage de l'esclavage à la liberté, par exemple, le passage de la notion d'un peuple qui n'était pas une nation à une nation, le passage d'un peuple qui n'avait pas d'avenir, pas d'héritage, vers une terre promise et un héritage. Donc le passage de la mort à la vie. Mais ce passage n'a pas été possible sans qu'il y ait ce commandement que Dieu avait donné à son peuple. Eh bien, que par famille, on prenne un agneau sans défaut, sans tache, un bel agneau, et sacrifier cet agneau, mettre le sang de cet agneau sur les linteaux des portes des familles, des maisons des Hébreux. Et la Bible nous dit que lorsque l'ange de la mort est passé, c'est encore le mot passage, il est passé sur toutes les maisons, c'était la dernière plaie pour que Pharaon il lâche, et c'était les premiers-nés qui ont été touchés, qui sont morts, sauf dans les familles qui avaient ce sang de l'agneau sur leurs portes. Et ce qui est intéressant, c'est que cet agneau, la Bible disait que cet agneau, il faut le mettre à part pendant 3 jours. Il fallait le préparer, le mettre à part. À part, ça veut dire le sanctifier en hébreu, c'est kadosh, c'est le mettre à part. Ce n'est pas une valeur morale, c'est la mise à part de cet agneau pour ça. Et c'est grâce à ce sang de l'agneau sur les linteaux des maisons qu'il n'y a pas eu de destruction chez le peuple hébreu. Et c'est ça a fait fléchir Pharaon. Et la sortie d'Égypte, elle a pu se faire parce que cette dernière plaie a convaincu Pharaon. Et donc, on va comprendre que lorsque l'évangile de Jean, lorsque Jean, au baptême de Jésus, va dire, voici l'agneau de Dieu. Nous sommes aux alentours de la première Pâque. Et donc, cet agneau de Dieu, les Juifs savaient ce que c'était, puisqu'ils étaient tous en train de préparer l'agneau pour la Pâque. Et la chose extraordinaire, c'est que le même moment où les agneaux en Israël étaient sacrifiés au temple, où le sang des agneaux était versé, au même moment, à la 6e heure, l'agneau de Dieu mourait et versait son sang. En même temps, donc la Pâque juive et la Pâque chrétienne ont coïncidé de façon extraordinaire pour nous montrer que toutes ces préfigurations de ces agneaux, du sang sur les linteaux, ça allait parler d'un sang supérieur,
le sang de l'agneau de Dieu qui allait venir pour couvrir tous les péchés du monde et amener la vie. Et faire... Alors, lorsque Jésus est mort, si vous voulez, de son côté, il y a eu de l'eau et du sang qui ont coulé, et l'eau de son côté percée. Et ça, c'est une référence à Ève, qui est née du côté d'Adam. Il y a eu une opération que Dieu a faite pour faire naître Ève, et Adam a dit, ben voilà, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on va l'appeler Ève. Et donc, la nouvelle Ève, c'est quoi? Ben, c'est l'Église, c'est-à-dire le peuple, un nouveau peuple, le peuple des croyants qui est né du côté de Jésus percé, voyez, et c'est la naissance du peuple de Dieu, composé de Juifs qui ont reconnu le Christ comme l'agneau de Dieu et de non-Juifs, petit à petit, alors que les décennies, les années passent. Donc, voyez bien que entre l'Ancien Testament, la liberté, la libération de tout un peuple, eh bien, il y a bien des connotations, le sang versé de l'agneau, etc., avec la nouvelle Pâque chrétienne qui met bien en évidence la valeur du sang de Jésus et la valeur de son sacrifice qui nous fait passer de la mort à la vie. Et il y a des gens qui ont fait des enquêtes. Je rappelle que, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le film Ben-Hur avec Wallace, c'était un journaliste qui voulait enquêter et prouver que la résurrection, c'était des foutaises. Et donc, il s'est mis à enquêter, et puis à un moment, il est tombé à genoux, il a rencontré personnellement ce Christ ressuscité. C'est comme un monsieur, là, dernièrement, il y a un film qui est passé à la télévision qui s'appelle « L'Enquête », un journaliste qui en avait marre de sa femme qui lui parlait sans arrêt d'un Jésus ressuscité, il en eut ras-le-bol. Alors il a dit, ben moi je vais faire mon enquête. C'était un journaliste d'investigation. Et puis au bout de plusieurs années, lui-même a été convaincu de la véracité de cette résurrection et il a écrit et fait ce film qui s'appelle « L'Enquête » et qui parle de tout cet itinéraire de la mort à la vie. Et puis sans compter, en France, vous savez, il y a notre grand philosophe français, mathématicien, inventeur de la calculette, de la machine à calculer, c'est Pascal. Et ce jeune Pascal, un jeune brillant, mais qui n'avait rien à faire avec Dieu. Et un jour, il a fait cette rencontre avec le ressuscité et il a écrit sur un petit bout de papier, « Feu, feu, pleure de joie, Jésus est vraiment ressuscité, pleure, pleure de joie, il est Seigneur. » Et ce petit bout de papier qu'il a écrit dans l'émotion de sa conversion, il l'a mis dans le double de son veston, et bien des années plus tard, quand il va mourir, on va retrouver ce petit bout de papier où il a exprimé toute son émotion d'avoir rencontré le Christ ressuscité. Et ce grand mathématicien, grand philosophe, est devenu un chrétien qui a influencé jusqu'à aujourd'hui les générations et la France. Donc, vous voyez, la rencontre du ressuscité, c'est ce qui fait la différence. Mais en même temps, la compréhension que c'est une libération de l'esclavage, le tombeau qui est vide, eh ben c'est aussi, ça parle aussi de la pierre qui est roulée. C'est la pierre aussi, je pense, de notre cœur. Il y a des pierres devant nos yeux, devant nos cœurs, qui nous empêchent de voir. La résurrection, elle ouvre la pierre. Elle fait sauter toutes les limites dans nos propres vies aujourd'hui. Et c'est pour ça que, vous voyez, on n'est pas là seulement à célébrer quelque chose du passé, mais on est là aussi, la résurrection, elle annonce quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est fabuleux. Imaginez-vous, c'est quelque chose de l'éternité qui a touché du ciel la terre avec cette résurrection, cette nouvelle vie. C'était que le début, parce que cette nouvelle vie de Jésus, elle a s'est transmise sur d'autres. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Cette nouvelle vie, elle est appelée à nous toucher, et non seulement à nous toucher nous, mais toucher toute la création. Vous savez, il y a cette parole, c'est toujours Jean qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le mot « monde », en grec, c'est le mot « cosmos ».
C'est-à-dire que la résurrection de Jésus, cette puissance de résurrection, eh bien, elle est assez puissante pour transformer le cosmos tout entier. Ça commence par nos cœurs, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et donc, l'événement de la résurrection, c'est le début du ciel qui touche et qui commence à remplir cette terre au travers de ses enfants. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des guerres, il y a de la souffrance, etc. Mais la réponse de Dieu, c'est la vie. C'est sa vie donnée. Donc, par la souffrance aussi. Et c'est pour ça, voilà, je trouve que c'est tellement important, ces temps de Pâques, et de méditer ce qu'a fait Jésus dans cette grosse perspective de toutes les Écritures qui nous donne toute la richesse et toute la souveraineté de Dieu. Vous rendez compte, le moment où Jésus meurt, c'est le moment à l'heure même où tous les agneaux sont égorgés dans le temple de Jérusalem. Mais ça, c'est, il n'y a que Dieu pour avoir ce timing-là. Et voyez, ça nous parle de cet agneau. C'est pour ça que Jean, le texte qu'on a lu, il est de Jean. Et Jean, quand il va dans le tombeau, juste une dernière chose, je ne vais pas plus loin, mais dans le tombeau, il voit, le tombeau est vide, et il voit les linges de Jésus ensanglantés, bien sûr, mais les linges, ils sont là, roulés, et de chaque côté, deux anges. Eh bien, ça nous rappelle quelque chose. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, et en particulier l'Ancien Testament, il est question du temple de Dieu qui était à Jérusalem. Et dans ce temple, il y avait un lieu très saint, un lieu tellement saint que les gens ne pouvaient pas y rentrer. Et dans le désert, il y avait aussi ce tabernacle avec une lumière intense qui irradiait au-dessus, c'était la présence de Dieu, et on ne pouvait pas y aller comme ça. On ne pouvait pas y aller comme ça. Il y avait tous des rites, tout ça, il n'y avait qu'un seul homme, le grand prêtre, qui pouvait y aller. Eh bien, voyez, dans ce lieu très saint qui symbolisait la présence de Dieu, il y avait une arche avec un peu de manne de ce désert des 40 ans là. Une arche avec les rouleaux des 10 commandements, la pierre des 10 commandements. Et puis au-dessus de cette arche, il y avait deux anges qui surplombaient eh bien, cette boîte, si vous voulez, qui était l'arche, cette boîte qui avait la présence de Dieu. Et lorsque Marie, elle voit le tombeau et elle voit ces deux anges et le linge au milieu, pour un juif, c'est la référence. Ce tombeau est devenu le lieu de la présence de Dieu même. Et voyez, ça c'est incroyable. Donc Dieu, il va dans les tombeaux, il donne la vie là où il y a la mort, et ça devient le lieu de sa présence. Et pour nous, ça nous parle, nos propres cœurs, qui sont parfois des tombeaux, parce qu'il n'y a pas d'espérance, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Eh bien, Dieu vient dans ces tombeaux, et il amène la vie, et il roule la pierre qui te bouche ton avenir, ton espérance. C'est pour ça qu'il est vivant aujourd'hui, à cause de tout ce qu'il fait aujourd'hui, et des rencontres qui bouleversent et qui transforment tout, aujourd'hui encore. Voilà quelques mots sur ce que c'est la Pâque pour moi et dans les Écritures avec l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau. Merci, merci beaucoup Luc. Peut-être qu'on peut faire un saut en Martinique chez Jean-Pierre. Il est où Jean-Pierre? Où est la Martinique? La Martinique? Il a l'air qu'il fait bon là-bas chez toi. Bonsoir Jean-Pierre. Apparemment, il n'a pas le micro. Bon. Ouais, salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Ma chérie, ma compagne, en ce jour de Pâques pour nous, joyeuse passe à tous les participants. Et pour nous, la Pâques, elle s'est passée en famille. On est une famille de trois ici. On a invité une autre famille pour partager ce moment et manger l'agneau pascal.
La Pâque, personnellement, moi, j'ai ressenti ce dimanche sa présence. Alors, je n'ai pas ressenti son départ pour vendredi, parce que je le ressens tous les jours. Mais là, j'ai ressenti quelque chose d'encore plus fort et qui perdure aujourd'hui, qui perdure. Donc, un rapprochement de lui, je lui parle, et il m'invite à lui parler. Voilà, on vit ça, nous, à deux, qui, moi qui découvre quand même, redécouvre, je dirais, depuis quelques mois, le Jésus, le Christ et cette proximité à la foi, même si j'avais la foi, mais je n'avais pas avec autant de conscience. Et aujourd'hui, donc, on est parfaitement en phase avec ma chérie parce qu'elle a toujours eu cette foi que je n'ai pas toujours accompagnée ou que je n'ai pas toujours échangé avec elle, mais toujours respectée. Toujours respectée cette foi qu'elle avait de plus que moi. Voilà. Mais là, je rattrape le chemin. Et ça, Roger, je te remercie du fond du cœur parce que c'est à travers la confiance que j'ai avec toi que je suis, que j'ai intégré ce groupe. Merci. Merci Jean-Pierre. Renette, on ne t'a pas entendu. On te voit dans l'ombre. On te voit dans l'ombre. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Adios. Bonjour. Oui, c'est ce qui fait. Nous, on a passé le Pâques en famille et en amis. C'est ce qui fait. Ça m'a fait énormément plaisir aussi d'être participé. Je participe aussi. Ça fait la deuxième fois que je participe. Et d'écouter, d'entendre parler de Dieu, c'est quelque chose pour moi, c'est fabuleux et immense. Immense pour dire que, comme je dis toujours à mon chéri, tout commence par Dieu. C'est ça. Et au début, je lui disais ça, il me disait comment, et puis maintenant, il a compris parce que tu as dit le mot juste. Juste pour accrocher tout le monde pour pouvoir vraiment connaître Dieu dans notre vie. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et puis, merci. C'est une immense félicitation aussi hein, à tout le monde qui soit présent, puisque c'est des décalages horaires aussi. Voilà, c'est vraiment des témoignages qui sont vraiment immenses. Et puis, que Dieu soit avec tout le monde, soit béni. Et en ce jour de fête. Et ces échanges qu'on voit aujourd'hui, là, vraiment, nous ouvrent encore les champs du possible, le champ de l'interprétation, le champ de la compréhension, parce que, ben, voilà, ce sont des avis qui nous enchérissent dans notre foi. Voilà. Merci à vous. Merci. Et je voulais dire aussi le fait aussi que j'étais à l'Évangile. Ça n'a jamais changé parce que j'étais évangéliste, baptiste. Voilà. Super. Merci à tous les deux, Jean-Pierre et Renette. Peut-être avant de passer la parole à notre ami pasteur Félicien, je vais peut-être prendre quelqu'un qui est là pour la première fois. Je ne la connais même pas, je connais son fils. Est-ce que Ghislaine Thiriot, tu peux prendre, nous dire un peu c'est quoi Pâques pour toi? Je te connais juste à travers ton fils Vincent. Si tu peux lui donner la parole, Antonio. Ghislaine Thiriot, GT. Voilà. Ça va venir, juste un instant technique. Ou si ça ne passe pas, on va peut-être voir, je le vois à l'écran là, mon ami Claude. Claude, comment c'était Pâques à Paris? Bonjour. C'est quoi Pâques pour toi, cher ami? Bonjour à tous. Pour moi, Pâques, c'est un moment
de renaissance. Comment dire ça? On a trois parties. C'est la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il y a le corps, l'esprit et puis l'âme également. Et pour moi, c'est une symbolique avant tout, Pâques, c'est-à-dire que c'est une mort par le Christ qui est corporelle et une renaissance qui est spirituelle avant tout. Et c'est ce qu'on célèbre par cette élévation qu'on retrouve chaque année. Et puis, cette mort spirituelle, enfin, cette mort corporelle, quelque part, ça fait revivre tous ceux qui sont partis pour être avec nous chaque année, parce que spirituellement, ils sont tous encore avec nous. Voilà ce que représente Pâques pour moi. Merci, c'est bref, mais c'est très, très puissant. Merci Claude. Pasteur, est-ce que tu peux rebondir un peu sur tout ce qu'on vient de voir, toutes ces différentes interprétations? Merci encore. Et je vois réellement le focus que chacun de nous met et la place que ce Pâques peut trouver ce soir dans notre propre vie. Mais nous nous rendons compte que pour vivre réellement cette Pâque, cela nécessite une préparation. Et c'est ce qui se fait tout le long du chemin de Pâques. Il y a ce qu'on appelle les 40 jours de carême pour pouvoir y arriver, mais tout se prépare. Pâques, comme cela a été rappelé, c'est un moment de passage. Une traversée, mais dans ce passage, sortir de quelque chose, il faut s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu parce que Dieu peut faire à chacun de nous, n'est-ce pas? Il peut nous donner l'inattendu. Et je suis sûr que chacun de nous ce soir a réellement besoin de sortir de quelque part, à sortir de quelque chose. À vouloir, n'est-ce pas, aller au-delà. Or, Luc était en train d'évoquer tout à l'heure, il y a la Pâque juive et, n'est-ce pas, la Pâque chrétienne, et les deux, n'est-ce pas, se rencontrent, mais les deux ont bien une signification. La Pâque juive, c'est ce qui était célébré tout le temps, mais ce qui était célébré avec l'agneau qui était mis réellement en exergue ici, c'était toujours l'agneau ou la mort sacrificielle de cet agneau-là. Donc, c'était une sorte de rituel qu'il fallait refaire et refaire tout le temps. Alors qu'avec la Pâque chrétienne, dont Christ lui-même va venir comme l'agneau pascal, eh bien, il ouvre un chemin à chacun, chacune de nous ici, pour que nous puissions y rentrer. Et il dit, cet agneau qui est donné une fois pour toutes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle ici la Pax, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à faire les rituels juifs qui étaient à chaque année de pouvoir offrir l'agneau. Cette fois-ci, lui-même, Jésus s'est donné comme l'agneau. En fait, il ouvre le chemin. Et il le dit dans Jean 14, 6, où il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ce qui est évoqué ici, dans cette Pâque chrétienne, c'est le passage de la mort à la vie, et il faut passer par Christ. Oui. J'ai encore entendu Michel qui disait, nous avons fêté, nous avons eu un repas, et ainsi de suite. Tout se prépare, vous voyez? Pâque est toujours associé à ce repas qu'on appelle ici le CDR, ok? Et ce repas a un signifiant ici que je pourrais dire de mémoire, de se souvenir, et on peut se souvenir réellement de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Chacun de nous doit se préparer à vivre réellement cette Pâque.
et se préparer à mettre au centre de sa propre vie Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette rencontre est toujours une rencontre personnelle, individuelle, alors que nous sommes tous ensemble ici. Mais chacun doit pouvoir lutter, chacun doit pouvoir chercher, chacun doit avoir cette soif de rencontrer le Seigneur afin que la Pâque puisse réellement être réelle dans sa vie. Vous savez, quand on lit dans la Bible, on va voir des hommes qui étaient peut-être en famille, mais à un certain moment, qui ont été séparés par des problèmes de famille. Et à un moment donné, cette personne-là, je donne ici l'exemple de Jacob, n'est-ce pas, va rencontrer Dieu. Et on nous dit, il a lutté avec lui. Et il est sorti vainqueur, mais il est sorti boitillant. Ce qui veut dire que chacun de nous est passé par là. Et chacun de nous traverse cela. Et c'est la traversée qu'on a évoquée tout à l'heure avec la traversée du peuple d'Israël en Égypte qui vont traverser la mer Rouge. Et on appelle ça un baptême. Chacun de nous a évoqué son baptême. Le baptême, c'est avancer, c'est traverser, c'est commencer à vivre autre chose. Christ doit être au centre de cela et Christ nous montre le chemin. En fait, par cette Pâque qui est christocentrique, qui est Christ lui-même, il est en train de dire tout le monde doit passer par là et je vous montre le chemin. Et chacun qui doit passer est marqué par quelque chose et marqué par ce qu'il a vécu avant et ce qu'il va vivre aujourd'hui. En fait, je veux dire par là que nous sommes tous des rescapés, mais avec le Christ, nous pourrions dire merci parce qu'il a montré le chemin. Si lui-même n'était pas passé par là, nous hésiterions encore. Mais nous prenons conscience et que nous devrions tous passer par là. C'est une joie, franchement, de vivre cette Pâque, d'expérimenter cette Pâque. Et cette Pâque nous donne réellement la vie, mais la vie éternelle. La vie qui n'est pas corrompue. La vie qui ne change pas, dont la mort ne peut rien sur cette vie. Que chacun puisse expérimenter cela. Chacun a besoin que Dieu me sorte réellement de quelque part, de quelque chose, d'une situation. Et c'est ce que nous allons fêter ce soir en étant ensemble, n'est-ce pas? La Pâque, l'unique Pâque qui n'a pas besoin qu'on répète toujours ce rituel de l'agneau dont Christ a traversé et il l'a traversé une fois pour toutes. C'est compliqué, quelquefois, mais les textes que nous avons vus ici, que les évangélistes ont pris et qui nous ont montré, ils sont focalisés. Et Christ était mort, mais le tombeau est vide. Il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, nous ressuscitons aussi. C'est-à-dire, nous sommes passés au visuel à la foi. Quiconque croit, ne sera point confus, parce que c'est Dieu qui se révélera dans sa propre vie. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, Bonjour, bonsoir, j'en profite pour dire à la sœur Anne, que je vois du Congo. Oui, je vois qu'elle vient de nous rejoindre, peut-être qu'il y a eu le changement d'heure, et c'est peut-être ça qu'elle a pris 9 heures. Mais on va peut-être lui donner la parole tout de suite. Bonsoir Annie, tu nous rejoins. Annie à Kinshasa, ou Goma, Kinshasa. C'est à Kinshasa, oui. Bonsoir Annie, ça fait plaisir de te revoir. Merci Roger. La question était comment toi
Comment toi tu vis Pâques? Comment tu ressens Pâques? C'est quoi Pâques pour toi? Je viens d'arriver là, ok. Bienvenue parce que tu viens de nous rejoindre. Oui. Alors peut-être que je parlerai un peu plus tard, le temps que je me ressaisisse un peu. Bon, ok, mais je te reprends un peu plus tard. Peut-être alors Marie en okay. Belgique, Mathieu, à tout de suite Annie. Marie, elle est où Marie? Voilà, je la reconnais. Bonsoir voilà. Marie. Bonsoir. Alors, tu connais la question. C'est quoi Pâques pour toi? Ah, mais cette fois-ci, c'était différent parce que ça fait la deuxième année que, bon, moi, j'ai une sœur en Suisse et j'ai deux frères en France. Donc, cette fois-ci, c'était ma fille et moi. Et nous avons enfin réalisé quelque chose que nous avions à cœur. C'était de fêter Pâques autrement que ce qu'on a toujours, toujours fait avec repas, etc. Alors, j'ai rejoint ma fille à Bruxelles. Et Roger, tu connais, on a atterri, enfin, c'est pas le mot, mais nous sommes allés à l'église de Saint-Nicolas, tu vois, là, derrière la bourse. Et voilà, et la messe commençait. Et là, c'était, pour nous, c'était divin parce que, voilà, c'est ce que nous voulions. Et j'ai senti cette année que c'est vrai qu'il y avait. Il y avait un passage, il y avait une obligation de changer avec Pâques, là, maintenant. Et je sais que j'ai eu un petit moment, j'ai pensé durant un moment, un court instant, à Noël, et je me suis dit, bon, Noël, on n'avait pas encore fait ce que nous voulions. À Pâques, nous l'avons réalisé. Et puis, pour elle comme pour moi, c'est un départ, c'est quelque chose de nouveau qui commence, non seulement par le Christ, etc., mais aussi dans la vie personnelle, ça change beaucoup de choses. Voilà. Les gens étaient très, très sereins dans l'église. Il y avait beaucoup de nationalités, ça c'est toujours dans Bruxelles, et c'était très serein, c'était très... c'était joyeux également. Et il y avait, moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de gentillesse parce qu'il y avait beaucoup de monde et chacun se poussait pour laisser passer l'autre. J'ai trouvé que c'était un bon moment. Voilà. Et qu'est-ce que tu en retiens? Moi, j'en retiens que de toute façon, je me suis débarrassée de certaines choses encore hier et que c'est ce que je voulais et que. Ben, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, donc le Christ, la Trinité, etc. Ça fait du bien, ça conforte dans l'idée que le chemin que je prends est différent, ça me fait, c'est bien. Et comment tu te sens avec ça? Très bien. Ça va très bien. Et puis j'étais contente que ma fille soit à mes côtés et elle, je sois à ses côtés. Elle aussi a des choses à modifier, un chemin différent à prendre, et donc c'est très bien. Voilà. C'était le bon moment. Nous nous sentions légères. Super. Merci beaucoup, Marie. Je vais aller faire un tour vers le Canada encore. Thierry Laforest, TL. Ça me fait penser à un pasteur qu'on connaît tous les deux, Félicien, T.L. Osborne. Thierry, il est passé ou il a disparu? Bon, sinon peut-être Sylvain à Monaco, juste en dessous. Là, on le voit déjà. Bonjour, et on l'entend. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tout le monde. Désolé pour mon retard, mais j'étais en rendez-vous et pourtant, ce genre de rendez-vous, je n'ai pas arrivé en retard, mais je n'ai pas pu faire autrement. Bon, Dantoiri, l'important, tu es là. C'est quoi, toi, Pâques pour toi? Je sais que c'est
Je t'avais eu au téléphone vendredi, tu m'as dit jeudi, pardon, ou mercredi, et tu m'as dit vendredi, à partir de vendredi, je décroche, c'est sacré. Tous les ans, comme tous les ans, je pense que on doit bien à ce moment privilégier à notre créateur qui lui a souffert sa passion. Je vis Pâques comment, donc c'est la question, si j'ai bien compris, comment je vis Pâques, comment j'ai vécu Donc, Pâques. qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? Un moment privilégié de recueillement avec notre Créateur, avec le Christ. Pour moi, c'est me poser les bonnes questions, me recentrer sur moi-même, prier, beaucoup, beaucoup, beaucoup prier, ce que j'ai fait pratiquement pendant les 3 jours. En plus, c'est la première année, j'ai 60 ans, c'est la première année où j'ai passé Pâques tout seul. Donc, j'étais pas seul puisque j'étais avec Dieu, avec la Trinité. Mais c'est la première année où ça m'arrive. Voilà, j'étais seul, sans mes enfants, sans rien. Et ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et puis d'aller à l'essentiel. Voilà. Et je me suis fait un super gigot d'agneau hier. Voilà. J'ai fait le jeûne vendredi, samedi. Et hier, je me suis fait quand même plaisir, seul. Et bon, voilà. Donc, je suis resté. Enfermé, je suis sorti quand même samedi après-midi faire quelques courses, mais non, j'ai passé mon temps enfermé à prier, à méditer, à me reposer. Et voilà. Donc, Pâques pour moi, je suis beaucoup allé à l'office, vendredi saint, samedi matin, la messe des ténèbres, samedi soir, la veillée pascale qui était extraordinaire. J'ai eu la chance d'assister à l'office qui a duré plus de 2 heures, 2 heures et quart pour être précis. La messe de Pâques, bien entendu. Et pour moi, cette année, le fait que je me retrouve seul, il n'y a pas de hasard. Le fait que je me retrouve seul avec mon Créateur, alors que je suis à un tournant important de ma vie, bon, tu connais ma vie personnelle, Roger, que ce soit à titre familial ou à titre professionnel. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard le fait que pour la première année, arrive à 60 ans, je vis Pâques seul avec notre Créateur. Voilà. Donc, moment très fort, intense. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Hier, j'étais joyeux pour la naissance de notre Père. Et puis voilà, la naissance, la renaissance, la résurrection, pardon. Voilà. Magnifique. Merci Sylvain. Peut-être avant de te redonner la parole, Luc, pour rebondir un peu sur les échanges, et peut-être, mais je vois là, à l'écran la Pascale. Pascale, l'île de Ré. Oui, bonsoir à tous. Pascal qui a parlé Pascale de notre qui Père. est une aficionados de Tout commence par Dieu. Je crois que t'as pas manqué un épisode. Ça doit être ça. Ouais. Alors, mais d'abord, merci pour ta longévité et pour ta présence avec nous. Alors, moi, ça a été des fêtes de Pâques studieuses. Puisque j'étais à Chypre, alors c'était assez intéressant aussi, puisque la religion est orthodoxe là-bas. Et c'était assez sympa. Bon, j'ai travaillé, hein, s'il n'y a pas le choix, c'était comme ça. Pour ça, je suis un peu endormie là. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 22 h. Je suis levée depuis 1 h du matin en transit depuis Chypre pour rentrer à la maison. Et j'ai trouvé que ce début d'année, notamment le mois de mars, ça a demandé beaucoup de résilience. Et j'ai vécu ce week-end Pascal, ben, seul quelque part dans ma foi, entouré de gens qui très croyants, en disant ben nous on fête pas que c'est fin avril début mai, mais on s'est retrouvé même en travaillant dans cette foi. Et moi je me suis Ah. retrouvée vraiment à dire mais tiens mais vendredi, samedi, vraiment, j'ai trouvé que les choses étaient lourdes et je me suis dit, mais ça continue. C'est ce mois de mars, c'était de la résilience. Et puis dimanche matin, j'ai fait, ça y est, Jésus est ressuscité et tout va mieux.
Et c'était très drôle parce que j'avais un hôtel dans Nicosie et j'étais réveillée la nuit ou tôt le matin par des chants religieux qui venaient d'église qui ne devaient pas être très loin, j'ai la fenêtre ouverte et c'était ça. Je sortais sur la terrasse pour les entendre. Ça a été en étant toute seule et en étant dans une situation professionnelle, ça a été très fort là-bas. Voilà, et je vis ça vraiment comme un renouveau et j'avoue que j'ai eu l'impression d'une grande libération dimanche et dire ça y est, c'est reparti quoi. Voilà en bref. Merci, merci, merci. Je vais continuer le tour de table par la suite, mais avant, Luc, qu'est-ce que toutes ces expressions, tous ces messages t'inspirent? Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé avant cet après-midi. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Et je t'ai dit, l'Esprit Saint, je t'ai répondu, l'Esprit Saint nous guidera. Où il nous guide maintenant? Ben, je trouve que dans les témoignages qu'on a entendus, j'étais touché en particulier par l'un, je ne me rappelle plus votre nom, mais lorsque vous parlez de... Ben, de dire-tu, hein? Oui, de ta femme qui t'a précédé dans la foi. Et que tu as mis du temps à t'y mettre. Mais dans le texte qu'on a lu, eh bien, on remarque que c'est des femmes qui ont été les premières à aller au tombeau et qui ont été mandatées les premières pour annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Et là, je trouve dans cette culture, le contexte gréco-romain et tout ça, c'est un geste extraordinaire que Jésus fait aux femmes de réhabilitation, de place centrale dans leur mission de témoin du Christ. C'est pour ça que souvent elles nous devancent, nous les hommes, dans bien des choses. Et c'est parfois aussi pour ça qu'elles sont plus présentes souvent dans les églises que les hommes, qui mettent toujours plus de temps, semble-t-il. Donc voilà une première pensée qui me revient. Et puis aussi... je pense que dans votre travail à chacun, votre mission, la résurrection, ça nous donne non pas l'espérance d'un jour seulement nous ressusciter, c'est quand même extraordinaire de savoir qu'on ressuscitera aussi et qu'on aura un nouveau corps. Ça, c'est... Moi, au début, je pensais que, vous voyez, la chose importante, c'était l'âme. Mais Dieu, pour lui, on est important. Corps, âme, esprit, et on ressuscitera avec un corps glorieux. Quel honneur Dieu fait à la matière, à la création, à ce qui est même matériel. C'est absolument incroyable. Donc, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des âmes qui sont tombées dans un corps et puis qui vont s'échapper du corps plus tard. Nous sommes des corps, des âmes, des esprits, des personnes, et en tant que personnes, on ressuscitera entièrement en tant que personne. Et puis, une autre pensée aussi qui me vient, c'est que cette résurrection, eh bien, nous amène une responsabilité. Nous ne sommes pas là dans l'attente simplement, béate et passive, eh bien, de notre prochaine résurrection. Quand on sera mort, on va ressusciter aussi. On n'est pas dans cette attente, mais la résurrection du Christ, ça nous donne une responsabilité d'être des découvriers avec lui et de libérer la créativité. Et je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des artistes, mais je pense que l'esprit des résurrections, il est là pour toucher tous les domaines de notre société, là où Dieu nous a mis, dans notre métier séculier, je dirais. Il veut racheter toute chose. Et donc, nous sommes des agents de réconciliation et des agents de création aussi, pour recréer, participer à cette transformation qui a commencé avec la résurrection. Donc voilà, nous avons tous une mission extraordinaire. Nous ne sommes pas là dans l'attente d'un ciel dans lequel on se réjouit d'aller un jour. Mais le problème, c'est que la Bible dit que c'est le ciel qui va descendre sur la terre. Et la Bible dit que dans le Notre Père que l'on prie, on ne prie pas « Seigneur, fais-moi échapper de ce monde » pour que je puisse jouir de cette vie de ressuscité avec toi. Mais la Bible dit que ton règne vienne sur la terre. Donc, le ressuscité, c'est sur la terre. Et je trouve une chose absolument fabuleuse,
c'est que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et figurez-vous qu'une de ses apparitions, c'est au bord d'une plage à faire un barbecue. Ça, on le trouve dans l'Évangile aussi. Il faisait un barbecue et Jésus ressuscité mange du poisson grillé et tout ça. Moi, je trouve que nos repas de Pâques, nos temps à table, c'est très significatif. La Bible, elle parle de table. Jésus prenait le repas avec ses disciples, le repas de la Pâque, il a pris. Mais ça, ça annonce d'autres repas et d'autres tables. Parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'à la fois, il est ce grand Dieu, mais à la fois, il veut se mettre à table avec nous. Et il nous dit, moi, je t'invite à ma table. Et la Bible dit, si ton cœur, tu sens qu'il tape sur ton cœur, à la porte de ton cœur, ouvre-lui, parce que mon Père et moi, on veut souper chez toi. Mmh. Ça, c'est une parole de l'Apocalypse. Donc, cette notion de table à Pâques, cette vie de famille qu'on aime vivre, etc., eh bien, ça nous parle d'une table que Dieu a pour nous, de festin succulent, de sa présence. Et cette table, on la trouve dans bien des domaines de la Bible. Je termine, il y a un personnage étonnant qui me parle, qui a été ressuscité littéralement. C'est vous savez qu'un jour, le roi David en Israël était un bon roi, mais il était persécuté par un mauvais roi qui était Saül, quoi. Et puis Saül a voulu le tuer plusieurs fois, lui, le petit David, le berger qui était appelé à prendre la succession. Donc, c'était terrible comme situation. Et donc, toute la famille de Saül a été exterminée, mais David, quand il est arrivé au trône, il a dit, mais est-ce qu'il ne resterait pas un descendant de cette famille que je puisse le bénir? Et puis, c'est un jeune qui était boiteux, paralysé, tout ça. Et puis, il était là, il s'attendait à la sentence de mort. Et le roi David lui dit, tu es Méphibosheth, le fils de Saül. Eh bien, je veux te faire du bien à cause d'une alliance que j'ai faite. Le fils de Jonathan, je vais te faire du bien. Et tu vas manger à ma table. Eh bien, ce roi qui invite les boiteux et ceux qui n'avaient aucun avenir à la table du roi, ça nous parle d'une table aussi à laquelle nous sommes invités, nous tous. Et le ressuscité qui a mangé avec ses disciples, avec un bon barbecue, il aime passer du temps avec nous, à table avec nous. Et la fin de l'histoire, c'est une grande noce avec une table de mets succulents où toutes les nations viendront et sont invités. C'est pour ça, moi, ça me touche beaucoup, cet esprit de résurrection et cette femme, Marie, qui voit au tombeau, qui pense que Jésus est le jardinier. Ça aussi, c'est une belle référence à la Genèse, où le grand jardinier, ben, c'est Dieu. Et Dieu qui a fait de sa terre un jardin. Et ce jardin, vous savez, aujourd'hui, vous allez me dire, mais il n'y a plus beaucoup à la pollution et tout ça. Mais vous savez, le royaume de Dieu, il veut de nouveau refaire de notre monde un jardin. Et la Bible dit qu'il le fera. Il va renouveler toutes choses. Et nous sommes appelés, nous, là où nous sommes, eh bien, à cultiver ce jardin et à faire de nos familles, de nos maisons, des petits jardins, signe d'un grand jardin qui vient du royaume de Dieu, un jardin où il est bon se balader dans sa présence, un jardin où il y a de la beauté, où il y a de la beauté. Ça parle aux artistes, ça. Mes amis, créez de la beauté. L'esprit de résurrection nous aide à créer, à recréer ce qui est cassé, à réconcilier ce qui était brisé, à réparer les brèches. C'est ça l'esprit de Christ en nous. Donc c'est fabuleux, les amis. On vit dans une période fabuleuse où nous sommes appelés à Dieu nous fait confiance pour amener quelque chose de son règne du ressuscité au milieu de nous et il veut manger à notre table. Invitez-le, invitons-le. Et ne le laissons pas à la porte de nos cœurs, mais invitons-le à souper avec nous tous les jours. Voilà, juste, je m'excuse, je ne veux pas prendre trop de temps. Mais c'est passionnant tout ça, c'est passionnant. Je reviendrai vers toi après, Luc, parce que j'aimerais que tu nous parles un peu aussi de la rencontre avec les disciples d'Emmaüs tout à l'heure. Merci beaucoup, Luc. C'est toujours très, très puissant. Je voudrais peut-être, est-ce qu'il est là, mes amis Pierre et Monique, qui sont un peu les doyens, je crois, de notre assemblée. Pierre et Monique, c'est toujours Pierre qui va le premier au feu, je crois. Pierre, oui, bonjour. Vous êtes en Suisse, bonsoir, en France, bonsoir, les amis. Ah, comment? Bonjour Monique. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir.
Alors, comment... On n'est pas très à l'aise parce qu'on a beaucoup de problèmes techniques. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais par la grâce de Dieu, ça va fonctionner. D'accord. Il est au-dessus de la technique. Ouais. Alors, c'est quoi? Bon, je sais que vous êtes des chrétiens convaincus et convaincants. C'est quoi Pâques pour vous? Est-ce que tu peux partager ça avec tout le groupe? Oui, non, mais on va le dire en deux mots. Pour nous, c'est l'assurance de la vie éternelle. Et bon, ben, quand tu arrives à un certain âge, c'est une chose qui est prégnante pour toi, enfin, en tout cas pour nous. Voilà. Mais c'est très court, hein, c'est tout. Voilà. Et c'est très important. Et pour toi, Monique? Pour moi, ça a été triste. Parce que Nathalie manquait et que j'ai beaucoup prié pendant, comme je prie tous les dimanches et tous les jours pour elle, mais particulièrement en ce jour-là, parce que j'ai toujours du mal à accepter qu'elle ne soit plus là. Donc, c'est un travail qu'il faut que je fasse sans me rebeller, sans vouloir jeter le manche sur un cogné, comme on dit si bien, accepter que c'est ainsi et que c'est bien. Et ça, donc ce jour de Pâques a été un jour de joie parce que nous avons réussi à faire un repas de famille. Et nous étions les enfants, tout le monde, et tout s'est bien passé, et nous étions très heureux. Mais la messe, pour moi, est toujours difficile. Et toutes les messes. Voilà. Donc, tous les dimanches, pour moi, est un questionnement auquel je n'arrive pas à donner de réponse satisfaisante. Bah, je vais peut-être demander à mon ami qui est un homme de Dieu, et Félicien, je crois qu'il vous connaît bien déjà. Est-ce que tu as un mot pour Pierre et Monique, s'il te plaît, Félicien? Je sais que tu es l'homme. Oui, il faut bien entendre ce qui est dit. Chacun de nous a droit à exprimer exactement des choses qui se passent dans son cœur. C'est simplement de cette manière-là qu'on extirpe cela. Parce que même une cocotte minute, quand elle remplit, elle siffle, sinon elle explose. Et ces moments où nous sommes, n'est-ce pas, à Pâques, et Pâques c'est la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie, nous prenons conscience que les morts ne meurent pas. Et d'ailleurs, le CEDER, le repas qu'il va mettre en place, il dit chaque fois que vous êtes ensemble, chaque fois que vous partagez ce repas, parce que ce moment que nous sommes en train d'être ensemble, c'est un partage, c'est un repas que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train de partager. Chaque fois que vous faites cela en mémoire de moi. Donc, on peut penser à toutes les personnes qui nous manquent en ce moment, tous les souvenirs que nous avions, comment nous avions vécu, bien qu'ils soient loin, mais nous nous rendons compte qu'un jour, ce n'est pas à eux ou à elles de revenir, et c'est nous qui virons vers elles, et nous allons les rencontrer, et ça sera réellement un sujet de joie. Tout le monde a besoin de se préparer pour voyager. Et Pâques, c'est un voyage, c'est une traversée, il faut sortir. Et quand on voyage, on ne pleure pas parce qu'on sait que je veux revenir, on va se voir. Et Luc parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, que le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, ça va descendre du ciel pour venir nous rencontrer là où nous sommes et tout sera changé.
Le texte que nous avons pris, que Roger a pris de Jean 20, commence par les femmes. Et on nous dit qu'il faisait sombre, il faisait encore noir. Et ces femmes sont sorties pour aller dans le noir, dans le ténèbre, sans peur. Et il n'y avait pas d'hommes. Ah oui, on a tendance à croire que les hommes, c'est les plus forts. Mais quelquefois, on sous-estime les femmes, qu'elles sont formidables et qu'elles sont très, très, très fortes. Voyez, ces femmes qui sont allées tôt le matin pendant qu'il fait sombre pour embaumer les corps qu'ils ont laissés la veille et ainsi de suite, rencontrent les anges. Et on leur missionne, c'est les premières qui ont été missionnées pour aller dire. Voyez, le texte que nous venons de voir ici nous dit quand elles sont arrivées, les tombeaux étaient vides. Mais dans Matthieu, on nous dit qu'elles arrivaient et que l'ange descendait pour rouler la pierre. C'est-à-dire, elles ont assisté à l'ouverture du tombeau. Et la grande surprise, elles n'ont pas vu Jésus sortir. Elles se sont rendues compte que le tombeau était vide. C'est vide, c'est ce que disait encore Luc avec Pascal. Il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide que Dieu seul peut combler. Et Dieu comble ce vide qui est resté dans votre cœur. Ces femmes, quand elles ont expérimenté, elles ont vu ce qu'elles ont vu, elles ont couru vers les disciples pour pouvoir leur dire, c'est-à-dire elles ont couru vers les hommes. Vous voyez ce qu'ont fait les hommes? Les hommes n'ont pas crié aux femmes. Ils sont partis eux-mêmes parce qu'il fallait qu'eux-mêmes vérifient. C'est malheureux, mais c'est la réalité et nous en prenons conscience. Mais quand ils arrivent au tombeau, on nous dit que Pierre était l'ancien, le plus vieux, et que Jean était le plus jeune, donc il courait très vite. Et en courant très vite, il est arrivé au tombeau, mais il n'est pas rentré. Il a attendu Pierre. Bien sûr, dans la vie, il y a des choses que nous découvrons. Nous avons d'autres personnes, de plus anciens, pour pouvoir nous expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous voulons voir pourquoi. Eh bien, il y avait des personnes comme ça, comme Thomas, si moi-même je ne vois pas. Peut-être tu es en train de dire la même chose, n'est-ce pas? Mais Jésus ici nous amène à croire sans voir. Qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre arrive au tombeau et qu'ils y rentrent, ils constatent les choses. Le verset 8, n'est-ce pas, on nous dit, Jean a vu parce qu'elle ne connaissait pas encore ces choses. Il a bien fallu qu'il y ait un ancien pour pouvoir lui expliquer. Et on nous dit que quand il a vu, il a cru. Merci à Roger qui organise ce moment-ci avec des gens qui ont soif, qui ont faim et qui ont envie de connaître. Ben, nous sommes à la disposition tous ensemble pour pouvoir apprendre les uns les autres. Et c'est que chacun de nous apporte ce soir. C'est aussi un témoignage pour moi, c'est aussi un réconfort pour moi. Je pense que nous sommes en train de nous construire tous ensemble. Mais centré sur Christ. Il faut que Christ puisse remplir notre cœur. Alors, soyons des christocentrismes. Christ au centre de notre vie. Les obédiences, les religions, et ainsi de suite, nous amènent, mais celui qui est plus important ici, c'est le Christ qui est ressuscité, et il est à la vie. Et s'il est ressuscité, il ramène aussi nos morts à la vie. Ce qui veut dire que s'ils sont à la vie, nous allons les rencontrer à un signal donné. Puisque à un signal donné, ce n'est pas eux, c'est nous qui iront. Et nous allons nous rencontrer et la vraie fête commencera. Soyez encouragés, mais c'est aussi un moment pour que nous puissions prier les uns les autres. OK? Partagez le fardeau et le fardeau deviendra léger.
Merci, Roger. Merci. Merci, Pierre. Tu veux ajouter quelque chose? Tu as été très court, Pierre. Tout est dit. On ne t'entend pas. On ne vous entend pas. Ah, leur micro est fermé. Leur micro est fermé. Tu ne peux pas le remettre, Antonio? Ah, voilà. Simplement, c'est bon. C'est bon. Nous remercions le pasteur Félicien. Ça nous touche énormément. Oui, merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Merci, Pierre et Monique. Qui j'avais vu que j'aurais... Ah, notre ami canadien, il est revenu maintenant? Il était au bord, si. Il était où? Non, j'étais là. J'écoutais. Alors, ah, il fait froid, je vois que tu sors les écharpes et les pulls. Oui, j'étais dehors, là. C'est pour ça, là, c'est... Alors, dis-nous, cher ami Thierry, comment, c'est quoi un peu, c'est quoi Pâques pour toi? Je sais qu'on a déjà échangé tous les deux, tu es un chrétien convaincu. Oh là, on t'a perdu, je crois. Bon, décidément. On le reprendra après. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui le dise, hein, Joël, peut-être on va aller un peu en Guyane. Et après, je te prends Annie. OK. Joël, tu le vois, J-E, plus bas. Voilà. Je ne sais pas s'il est là. J'ai l'occasion d'aller chez lui une fois quand je faisais un séminaire là-bas. Il est très sympathique avec son épouse. Joël, est-ce que tu es là? Il n'est pas là, c'est pas grave. On va retourner à Kinshasa alors. On va de Cayenne à Kinshasa en une seconde. Annie en République démocratique du Congo, RDC. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Je vais voir tout le monde là-bas. Je salue Pascal. Je salue tout le monde. J'ai revu les figures. Ça faisait longtemps. Je salue le couple de Pierre et tout ce monde-là. Et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Voilà, je suis là. Chez nous, la Pâques, notre pays, comme vous le savez, est en guerre. Donc, on a plus pris le temps de prier. Surtout prier la résurrection. Comme nous avons dit que la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Chez nous, on a plus parlé de l'évangélisation, on a plus parlé de péché en disant, parlant plus du sang de Jésus, le sang de Jésus qui ôte les péchés du monde et avoir le pardon. Parce que, étant donné qu'on est en guerre, il y a 10 jours, j'étais à Goma, la situation n'est pas très bonne là-bas. Donc, tu sens la tristesse et le pardon est dur. Je ne pense pas que les gens soient prêts à pardonner. Alors, nous, on parle plus de l'évangélisation, de changer des vies. Jésus-Christ est ressuscité, mais il faut dire que ce n'est pas facile de voir cette femme qui a quitté chez elle, qui s'est déplacée à cause de la guerre et s'est retrouvée dans cet état. Quand on parle de Jésus-Christ, seul le Saint-Esprit est capable de changer son cœur. Elle est blessée d'avoir tout perdu, elle est triste. Alors, il fallait lui parler de la résurrection, dire que Jésus-Christ est capable de changer cette situation et de te donner la paix. Donner la paix, il fallait parler de ça. Nous avons plus parlé vraiment du sang de Jésus-Christ qui ôte les péchés pour pardonner, demander le pardon, la réconciliation. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un. Il y a une dame qui nous a parlé qu'il a perdu 4 enfants. Il y a une bombe qui est tombée. Elle avait 5 enfants, elle en a perdu 4. Alors, ce n'était pas facile pour cette femme de voir comment elle perd ses 4 enfants pour lui dire de pardonner. Là, il faut dire qu'il faut que lui-même, Jésus-Christ, ressuscite vraiment dans son cœur. Nous, on était plus dans la méditation, plus dans la prière pour notre pays
et demander que Jésus-Christ ressuscite, lui qui est le prince de paix, puisse ressusciter dans nos cœurs encore et donner la paix dans ces pays. C'est plus dans ce sens-là que nous avons abordé la fête de Pâques, Roger. Je crois que je peux m'arrêter là pour un premier temps. Merci. Merci. Merci beaucoup et courage à tous nos amis là-bas au Congo. Joël, apparemment, il est là ou Thierry, il est revenu. On va commencer avec la Guyane, peut-être. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, Roger. Comment vas-tu, toi? On a le même coiffeur. Heureux d'être deux, parmi quoi. Vous. Joël, on a le même coiffeur. Alors, comment je sais aussi que je crois que c'est quelqu'un de ta famille que j'avais rencontré qui est pasteur quand j'étais venu là-bas en Guyane il y a presque 20 ans maintenant. Beaucoup d'années. Ouais. Alors, comment tu as vécu Pâques? Qu'est-ce Pâques, que ça représente pour toi? C'est une fête que l'on célèbre en famille et puis avec des proches. Et en fait, c'est pour moi Pâques, c'est la manifestation du parfait amour et jusqu'où en fait la récompense de l'amour peut aller. Quand on prend conscience en fait que la résurrection, s'il y a une résurrection, c'est parce que, à mon avis, c'est parce que Jésus en fait a fait tout ce qu'il fallait pour nous, n'est-ce pas? Et s'il a pu ressusciter, je pense que c'est parce que l'accomplissement de l'amour, c'était ça. Et pour toi, comment tu as vécu cette Pâques, vu que tu es, comment vais-je dire, ça fait longtemps que tu es chrétien et que tu vis ça tous les ans. Comment tu l'as vécu cette année? Comme d'habitude, comme je te le dis, alors je dois avouer qu'auparavant, j'allais beaucoup en fait au temple. J'y vais moins maintenant et c'est plus quelque chose qu'on partage en famille, autour de la table et puis on discute. Ça nous arrive de discuter, de prendre des moments comme ça avec mon fils de 12 ans, donc c'est vraiment intéressant. 12 ans, ton fils. Oui. Super, hier j'étais avec Ronnie qui est ici avec moi d'ailleurs, il est là-bas juste en face de moi. Et ma fille Lily, il aura bientôt 10 ans, on était au service évangélique à Fuengirola. On a passé vraiment un super moment. Super, super. Génial. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de te revoir. On ne se voit pas souvent, mais je crois qu'on a l'occasion de se voir après à Londres. C'est toujours un plaisir de te rencontrer et ton énergie. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse tous. À très bientôt. Est-ce qu'on a le Canada qui est de retour? Thierry, là, tu sais le connecter, là, s'il passe. Yes, Thierry. Son micro est fermé. OK. L'œil est ouvert. Vous m'entendez? Ah, ouais, ça y est. Oh, putain, ça marche. Oui, écoute, j'étais en train de dire tantôt que pour moi, je regarde à travers l'histoire. On parle de la Pâque, puis il y a des significations. Puis j'ai tendance à me concentrer dans le moment que nous vivons actuellement. Moi, quand je regarde Jésus-Christ, j'essaie de comprendre pourquoi tout ça. Puis, c'est sûr qu'il y a des réponses que je n'arrive pas à obtenir. Il y a des réponses que j'ai obtenues. La Bible donne des réponses. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a deux temps. Il y a le temps de la mort et le temps de la vie. Et je pense que Jésus-Christ, ce qu'il a réussi à faire, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on est dans un temps, c'est fini comme le temps de la mort.
c'est qu'on peut aller dans le temps de la vie. Il l'a démontré en traversant le temps de la mort. Et ça, pour moi, c'est incommensurable. C'est des faits qui nous fait prendre conscience que quand vient ce moment-là, tant de Pâques, il faut arrêter ce qu'on est en train de faire. C'est pas ce qu'on est en train de faire, n'est pas important, mais il faut arrêter. Puis là, prendre le temps, puis comprendre ce qu'il a fait. Puis, je pense que quand on chemine de cette façon-là, on se sent plus fort. Écoutez, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de Jésus-Christ puis il se sentait faible. Jamais. Dès qu'on parle de Jésus-Christ, on se sent fort. Donc, prendre le temps d'arrêter, au-delà du rassemblement familial au pas de Pâques, mais prendre le temps d'arrêter, puis quand on arrête, on sait qu'il y a deux temps. Donc, on continue dans le temps de la vie, puis le temps de la vie est infini. Il est infini. Mais le temps de la mort, lui, il semble avoir un blocage. En tout cas, c'est ce que ça m'amène, là, le temps de Pâques. Là. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Je voudrais peut-être repasser, je vois qu'il y a Emmanuel, je te prendrai après. Je veux aussi Magali, je ne sais pas si elle est encore là. Je vais regarder ceux que je connais ou s'il y en a de ceux qui veulent, que je ne connais pas et qui sont là pour la première fois. Si vous voulez prendre la parole, mettez un message. Ça sera avec un plaisir qu'on partagera avec vous votre message. Luc, peut-être tu peux rebondir sur ce qui a été dit et également nous parler de ce passage que tu nous avais. On a fait un petit aparté avant de démarrer sur les disciples d'Emmaüs. Oui, merci Roger. Juste pendant ce temps de Jésus qui est ressuscité, eh bien, pourtant, eh bien, il y a eu toute une phase où au moins les disciples ne l'ont pas cru, ne l'ont pas vu, etc. Donc, on peut vivre dans ce monde, si vous voulez, à côté d'un Jésus ressuscité, mais sans le voir et sans le connaître. Et dans les disciples d'Emmaüs, imaginez les disciples de Jésus qui s'attendaient, qui avaient cru en lui, qui avaient vu la puissance de ses miracles, qui avaient marché avec lui pendant 3 ans. Et tout d'un coup, il y a cette mort. Tout semblait fini. Parce qu'en fait, ils avaient une mauvaise conception de qui était Jésus. Ils pensaient que Jésus allait les libérer des Romains, allait amener la paix en Israël, alors que c'était un peuple qui était dominé par un autre, etc. Et puis tout ça s'est effondré. Ils pensaient que Jésus allait amener son royaume, là, comme ça, d'un coup. Imaginez la déception. Et donc, ses disciples, ils quittaient Jérusalem et ils étaient déçus. Et parfois, nous, on peut être aussi déçus. Parfois, on peut être déçus de Dieu parce qu'il y a des circonstances qu'on ne comprend pas. Une mort, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est malade, et on ne comprend pas. Et on se dit, mais si Dieu existait, ben ça ne se passerait pas comme ça. Et on est ébranlés. Les disciples d'Emmaüs étaient profondément ébranlés. Ils étaient tristes. Et ils marchaient, ils s'en allaient de Jérusalem, alors que Jésus leur avait dit de rester. Mais ils s'en allaient, et puis ils étaient décontenancés. Et c'est là que Jésus vient à eux. Et peut-être ce soir, il y en a qui sont un peu comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ont été déçus. La vie, c'est long parfois. On a 50 ans, 60 ans, et puis on vit des choses difficiles, et puis on est déçus. Déçus de soi, déçus de Dieu. Et voilà. Mais Jésus, il vient. Et alors, un peu en catimini, comme ça. Il vient sur leur chemin. Il chemine avec eux. Moi, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que Dieu, il chemine avec nous. Il ne nous lâche pas. Parce qu'il nous aime, il nous respecte aussi. Donc, il chemine avec nous et il leur dit, mais de quoi discutiez-vous? Dieu s'intéresse à nous. Il n'est pas là à nous dire, c'est pas possible, tu ne crois pas, c'est pas bien, tu devrais croire, tu devrais avoir la foi. Non, 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 non.
De quoi discutiez-vous? Ils s'intéressent à eux, ils s'intéressent à nous. Et alors, ils expliquent leur déception. Voilà ce qui est arrivé. Voilà, on est déçu, on est triste. Et donc, Jésus commence à parler avec eux. Et ce qu'il fait, c'est peut-être ce qu'il aimerait faire avec plusieurs d'entre nous ce soir. C'est-à-dire qu'il commence à leur expliquer dans les Écritures tout ce qui le concernait. Vous savez que Jésus, un des noms de Jésus, c'est parole de Dieu. Alors, il veut lire avec nous cette parole, il la rend vivante parce que c'est une relation qu'on peut avoir. Et donc, il commence à leur expliquer tout ce qui le concernait depuis la Genèse, premier livre de la Bible, jusqu'à la fin. Ça a duré, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Une espérance qui revenait. Moi, j'aimerais vous dire, l'espérance, elle revient. Non seulement quand on sait que Jésus chemine avec nous, mais quand on le laisse nous éclairer les Écritures. Quand vous lisez la Bible, demandez-lui, montre-moi, Seigneur. Parle-moi, éclaire-moi. Montre-moi ce qui est important, ce que je ne comprends pas, peut-être je vais le laisser, mais montre-moi ce qui est important pour moi, le pain d'aujourd'hui. Donc les disciples, ils ont continué, et puis à un moment, Jésus, il fait semblant de continuer de partir, de s'éloigner, et là, les disciples, ils disent, mais reste avec nous. Et les amis, ça c'est drôlement important, parce que Jésus nous laisse libres, hein. Il ne va pas violer notre intimité, il veut qu'à un moment on dise, reste avec nous. Il ne va pas s'imposer. Et donc, reste avec nous, car le soir approche. Et puis alors Jésus, eh bien, il va rester avec eux. Ils vont dans une maison, ils se mettent à table, encore une fois, à table, décidément, hein. Ils se mettent à table, et là, il commence à prendre le pain. Il a rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Et là, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, et donc, ils se disent, mais oui, notre cœur avait brûlé quand il nous expliquait les Écritures, mais il les écoute. Mais tout d'un coup, il a disparu de la pièce. Mais leur cœur était changé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Jérusalem. Ils sont retournés. C'est ce qu'on appelle une conversion, c'est-à-dire je fais demi-tour, je change de chemin, je reviens là où j'aurais dû être. Et donc, ils vont commencer à parler et à témoigner. Donc, vous voyez, il passe de la déception qui peut tous nous atteindre, chrétiens ou pas, au témoignage. Parce qu'en fait, ils ont eu un moment à table avec lui où ils l'ont reconnu. Donc voilà, moi ce que je crois, c'est que le Seigneur veut marcher avec nous. Il s'intéresse à nos questions. Il s'intéresse à nos doutes. Il veut parler avec nous. Il veut échanger avec nous. Il ne nous condamne pas. Il marche avec nous et il veut nous expliquer les Écritures, tout ce qui le concerne, parce qu'il est cette parole vivante et il veut prendre du temps à table avec nous. Donc voilà, je trouve ça extraordinaire, ce retournement des disciples. Eh bien, on a besoin, nous aussi, régulièrement, à Pâques en particulier, de rencontrer le ressuscité. Parce que dans une année, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des épreuves. Et le Seigneur... Voilà, si jamais tu es en fuite quelque part, eh bien, le Seigneur, il t'accompagne sur le chemin de la fuite pour te faire revenir sur son chemin à lui, parce qu'il nous aime. Et dans le texte aussi que tu lisais, Félicien, je termine, il y a Marie qui, elle ne savait pas que c'était Jésus, et puis elle lui dit, mais, et puis Jésus lui dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Et il l'a appelé par son prénom. Et c'est ça qui a fait que, tac, ses yeux s'ouvrent. Dieu nous appelle par notre prénom. Parce que même avant la fondation du monde, chacun d'entre nous, on était dans sa pensée. Et si on est né un jour, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour nous. Parce qu'il a pensé, il nous a vu, il nous a aimés avant même qu'on naisse. Il nous a voulu. Si tu es vivant sur cette terre, c'est parce qu'il t'a voulu. Il m'a voulu et il veut cheminer avec toi. Voilà, ça c'est les disciples d'Emmaüs, de la fuite
à l'espérance. On a besoin, chacun d'entre nous, de vivre cette expérience et de la revivre. Voilà, Roger. Merci Luc, pour toutes ces paroles encourageantes pour chacun d'entre nous. Je suis certain que ça parle à beaucoup. Je vois qu'il y a Nicole qui nous a rejoint de Yaoundé. Je vais lui donner la parole dans quelques instants. Mais avant, Emmanuel, en plus, tu as un prénom célèbre. Dieu est avec toi. N'est-ce pas, Félicien? C'est ce qu'on avait vu dans Ésaïe. Comment vas-tu? Salut, Roger. Bonjour. Comment va Beaulieu? Menton. Menton. Ouais, mais c'est à côté. Moi, tu sais, Marseille, Menton, enfin, tu vois, voilà. Ouais. Bon, on ne me parle pas de l'OM, je suis dégoûté. Alors, comment tu as vécu Pâques avec ta famille, avec ton chéri? Alors, mon chéri, non, parce qu'il travaille, il est à Paris. Mais j'étais avec ma fille et donc on a fait ça entre nous. On a fait le Vendredi Saint avec la maison des jeunes de l'église de Menton. On a partagé ça avec deux prêtres et puis plein de jeunes. On a chanté, on a mangé. C'était vraiment un moment magique. Et comme disait Luc, je rejoins tout ce qu'on a entendu ce soir. C'est vrai que moi, je l'ai vécu. Alors, ça fait quelque temps que je vis une sorte de résurrection aussi. Amen. Et donc, je le prends comme ça. En fait, c'est comme si Dieu m'avait demandé de me libérer de toutes mes vieilles peaux et mes vieilles croyances, mes vieux schémas, mes vieux fonctionnements. Et c'est vrai que ça tiraille parce que... on n'est pas habitué à ça, donc parfois on est en colère, parfois on est triste, parfois on ne comprend pas, parfois on se demande qu'est-ce qui veut nous faire comprendre. Et même si c'est de force ou de gré, de temps en temps, il nous oblige à partir sur un autre chemin d'une façon un petit peu forte, qu'on ne comprend pas toujours. Il faut essayer de garder notre lampe allumée et de se dire que c'est pour notre bien. Donc, moi, c'est la Pâque, cette année, a été un moment très fort pour moi parce que je le vis comme une résurrection en cours, comme une sorte de serpent qui change de peau. Et je crois qu'on le vit tous comme ça parce que je ne sais pas si tout le monde le ressent. En tout cas, moi, depuis quelques temps, quelques mois même, voire même des années, je ressens un gros changement au niveau énergie, enfin au niveau à l'intérieur. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde et dans notre société actuellement, on s'aperçoit que Dieu agit sur le monde entier et qu'il veut nous faire comprendre qu'on doit changer tous, autant qu'on est. On doit changer notre mode de vie, notre mode de fonctionnement pour plus d'amour, plus de paix, plus de foi et plus d'authenticité, revenir à plus d'authenticité. Et c'est pour ça que ça part un peu en vrille de partout, je pense, parce que tout est en train de s'effondrer, comme disait Luc, c'est vraiment le mot juste, l'effondrement. Je ne parle pas d'apocalypse, mais voilà, on n'en est pas loin, je pense. Après, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais je pense qu'on nous demande vraiment un gros, gros changement, une grosse ouverture de conscience pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, avec beaucoup d'amour. Et tu te sens bien? Ça va. Ça se voit sur ton visage. Merci, Emmanuel. Là, je vais accélérer un peu vos partages pour que tout le monde puisse, tous ceux qui, du moins, qui veulent s'exprimer, s'expriment. Nicole, bonjour. Yaoundé, bonjour le Cameroun. Tu viens de nous rejoindre. Oui, bonjour. Alors, c'est quoi Pâques pour toi? Comment tu as vécu Pâques là-bas au Cameroun? Je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait, moi, je suis très croyante. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas une religion. Mes parents étaient témoins de Jéhovah, donc j'ai beaucoup appris avec la Bible et tout.
Quand on s'est rencontrés, je me suis rendu compte qu'on parlait, on allait vers la même direction pour ce qui concerne les Saintes Écritures. Donc, je m'intéresse à tout ça, mais vraiment, religion en tant que telle, comme je n'ai pas pu me baptiser chez les Témoins de Jéhovah, parce qu'eux, ils ne baptisent pas les enfants. Il faut grandir, et puis quand vous êtes grand, vous choisissez vous-même de le faire ou pas. Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais je crois profondément en la Bible, en Jésus. Et donc, Pâques, je l'ai passé à la maison avec mes enfants, mes petits-enfants, voilà. Et si je suis là, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que, entre-temps, je cherche à vraiment tout en sachant que je ne peux rien sans Dieu, je ne suis rien sans lui, je lis la Bible tous les jours, j'essaie d'être agréable, je prie tous les soirs, mais pratiquer vraiment. Tu pratiques, hein, je pense que le pasteur sera d'accord avec moi, mais pratiquer, quand c'est je pas dis pratiquer, forcément ben aller à l'église. C'est pas aller allumer des cierges à l'église tous les jours. Hein. Bon, c'est une manière, bon, chacun sa manière voilà. de faire. Mais je pense que ta manière de faire, elle est voilà. totalement. Je crois qu'elle doit être très appréciée par notre Seigneur. Qu'en penses-tu, Félicien? Oui, merci, merci beaucoup. Mais bon, je rebondis sur le texte de Luc tout à l'heure, sur Luc 24, le chemin d'Emmaüs. Vous voyez, nos parcours se rejoignent un peu. Sur ce chemin d'Emmaüs, il y a deux disciples qui ont été enseignés et qui devraient être en attente, mais quand l'heure était arrivée, ils n'y croyaient plus. Alors, ils s'interrogeaient. Et quand vous lisez ce texte-là, vous allez voir que sur les deux disciples, il y en a un qui possède un nom, c'est-à-dire qui est nommé. Chaque fois que vous avez un texte où on nomme quelqu'un, c'est lui qu'on nomme pas, c'est moi. C'est toi. Et nous y sommes tous sur ce chemin, en train de nous interroger sur Pâques, sur la résurrection, sur... je pratique pas, c'est nos interrogations. Mais est-il que les ressuscités, qui est Christ, marchent avec nous à nos côtés, mais préoccupés par tout ce qu'on a nommé tout à l'heure, comme la culture ambiante, comme les changements de temps et tout ça, qui nous remplit en fait, on ne fait plus attention aux ressuscités qui marchent à côté de nous et qui nous parlent, parce que nous sommes pris par autre chose dans notre propre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur marche avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Et en arrivant chez eux, il va prendre le repas avec eux, et c'est ce repas-là qui va les ouvrir les yeux. Ce repas qu'ils prennent là, c'est déjà quelque chose que le Seigneur avait mis en amont avant réellement Pâques arrive, pour pouvoir les ouvrir les yeux. Quand il a pris du pain qu'il a rompu, qu'il leur a donné, leurs yeux s'ouvrirent. Ils l'ont vu et en même temps, il a disparu. Je vais dire ici, puisque nous sommes à Pâques, Pâques est le seul moment qui nous est donné, qui permet de nous ouvrir les yeux pour pouvoir voir l'invisible, pour pouvoir comprendre qu'au-delà de ce que nous vivons, il y a autre chose. Mais quelle pédagogie, quelle leçon. En fait, nous sommes des hommes, des femmes et des hommes qui veulent voir pour croire, alors qu'on nous demande de croire sans voir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il rend le pain, il leur donne, il le voit, mais en même temps, il disparaît. Et à ce moment-là, ils se lèvent et ils repartent, c'est-à-dire ils font demi-tour. Qu'est-ce que cela veut dire, toi et moi? Nous sommes ensemble, nous parlons de Jésus, ben on ne le voit pas, ça n'existe pas, et d'un coup, tous les deux, nous le voyons. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu vois comme moi?
est-ce que tu as vu la même chose que moi? Et dès qu'il ne le voit plus, quelque chose se met en place. C'est quoi? Même quand nous ne le voyons plus, il est là. Même quand je ne sens rien, il est là. Et c'est ce que Roger a évoqué au départ, là où deux personnes ou trois se mettent ensemble, il est là. Voyez notre réunion de ce soir, nous sommes plus de deux. Nous sommes ici, plus même de 30, c'est-à-dire il est avec nous. Il nous accompagne sur ce chemin d'Emmaüs et il veut réellement se révéler à chacun de nous. Il suffit simplement d'y croire, même quand nous le voyons. Et lui se laissera trouver, lui se laissera révéler. Je suis sûr qu'à la fin de cette réunion, peut-être tout de suite même, peut-être l'heure d'après, peut-être dans la nuit, eh bien vous en ferez des témoignages, parce que chacun de nous a besoin de cela, à prendre ce chemin d'Emmaüs. Mais il ne le fait pas seul, il le fait avec les ressuscités. Merci pour vos témoignages, merci pour la participation, nous y recevons tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci Félicien, ça te parle Nicole? Oui, oui, bien sûr. Wow. Bien sûr. Et merci beaucoup pour ça quoi, merci. Tu vois, tu sens pratiquer, c'est pas aller passer une heure par semaine à l'église. C'est que Jésus fasse partie de ta vie 24 heures sur 24, 24/7. Ouais. 24/7. Et tu n'es pas obligé d'aller dans un bâtiment. D'ailleurs, si tu regardes, moi j'aime beaucoup The Chosen, je crois que je l'ai recommandé déjà à beaucoup d'entre vous. La plupart des enseignements de Jésus, mais il est fait dans une prairie, dans un champ, pas forcément dans le temple, tu vois. Pas besoin d'aller t'enfermer quelque part et de suivre un rituel imposé par d'autres humains. Ce qui est important, c'est le rituel entre lui et toi. Et moi, ouais. Merci beaucoup. Comment va Philippe, sa santé, ça va mieux? Il va. Bon, il n'a rien fait pendant 3 jours là. Demain, il reprend le traitement. Le traitement. Okay. Apparemment, ça va. Ça va, il tient le coup. Et le cœur aussi. Le cœur aussi n'a pas lâché, donc ça va. Okay. Vraiment, merci. Merci. Bonne nouvelle. Pour tout. Grâce à Dieu, tout va bien. Super. Ouais, tout va bien. Merci pour tout. Merci. S'il y en a un d'entre vous que j'ai pas donné la parole, qu'il se manifeste dans le chat, parce que là, je vois les messages. Il y avait Marie-Jeanne, je ne sais pas si elle est encore là. Je voulais déjà lui donner la parole tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle est toujours là. Si tu trouves Marie-Jeanne, c'est Marie, elle n'est pas sur Marie-Jeanne, elle est sur Marie Lambert. Je ne sais pas si elle est toujours là. Ouais, voilà. Au-dessus, là, celle d'au-dessus, voilà. Et ensuite, je demanderai à mes amis, s'il n'y a plus de messages, à Luc et Félicien bien que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de messages pour pouvoir avancer dans votre... je vois qu'il y a aussi... Ah oui, Virginie aussi. Vous avez déjà reçu énormément de messages. Marie-Jeanne, es-tu là ou sinon Virginie, je vois. VP Antonio de Toulon. Vincent, je vois que tu es là aussi. Si tu veux prendre la parole, dis-le. J'avais testé ta maman tout à l'heure, mais apparemment. Virginie, es-tu là? Oui, je suis là. On ne te voit pas? Si, si. D'accord. Parce que, bon, moi, je vois tout le monde sur l'écran. Voilà. OK. Bonsoir plutôt. Alors, oui, comment vas-tu? Comment. C'était pour toi, c'est quoi Pâques pour toi? Un moment de ressourcement et effectivement,
la résurrection en tout point, puisque c'est la période du printemps. Donc la nature, elle nous fait signe sur beaucoup de points, même si en ce moment, elle nous donne quelques leçons pour être un peu plus vigilants. Donc, ce qui est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense, c'est d'être dans chaque pensée, ce que j'ai écrit, chaque pensée, chaque geste avec Dieu, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Enfin, moi, je pratique comme ça, parce que j'ai pas la possibilité d'être entre quatre murs. Comme je dis, il y a une parcelle du divin qui est en chacun de nous. Et cette parcelle-là, elle est dans ce que nous faisons au quotidien pour toutes les personnes qui nous entourent et avec lesquelles on est en contact. Superbe. Donc, Pâques, c'est quelque chose. Effectivement, tu parlais du passage tout à l'heure. Alors, c'est lui qui parle du passage. Ouais, et familialement, je suis dans ce contexte-là avec une mixité de différentes cultures et différentes philosophies ou religions. Et on est vraiment dans ce contexte-là de ce passage, de cette transition et de ce renouveau et de cette renaissance constante. Donc, effectivement, Christ est ressuscité, oui. Mais c'est à nous de recréer ce renouveau. Et je trouve fabuleux, après Vendredi Saint et la veillée pascale, d'avoir ce moment où on est tourné vers le plus, le mieux et le positif. Et quel bonheur d'être avec vous tous là, parce que ça fait vraiment du bien. Ça se voit sur ton visage. Merci, merci Virginie, et bonne fête de Pâques, on y est toujours. Hein. Michel qui lève la main peut-être, c'est celui qui avait ouvert le bal, il veut peut-être le... Ouais. Fermez le bal aussi, Michel. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, très bien. Tu n'es pas en menton, toi, tu es en Philippines. On t'entend. Je suis en Philippines. Oui, je suis aux Philippines. Oui, je m'entendais. Que tu dis, je ne sais pas si on m'entend. Ah non, si on m'entend, pardon. Oh là OK. Là. Non, clôturer le bal, je ne crois pas. Il y a eu tellement de choses de dites. Mais je voulais remercier notamment Luc et Félicien. Parce que pendant ce week-end de Pâques, j'ai beaucoup réfléchi en me disant, mais bon, c'est quelque chose de symbolique, la mort du Christ et le fait qu'il ressuscite. Puis ça m'a parlé, ça m'a profondément parlé en me disant, mais ça, il faut que je l'applique dans ma vie. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. Il faut que je l'applique dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à mourir à moi-même, pour mourir symboliquement, bien évidemment, à tout ce que j'ai été, à tous mes défauts et à tout ça, pour véritablement ressusciter. Et je remercie notamment Luc qui, dans son discours, ben reprenait ça en disant que oui, on avait ça à faire pour grandir finalement. Et là, il me reste une question, mais putain, je fais comment? Voilà. Parce que c'est gentil de le dire. Et de là à véritablement arriver à mourir et à ressusciter dans sa vie, c'est un peu une autre histoire et il faut le mettre en œuvre. Et ça ne me paraît pas si évident que ça, mais... Je vais m'y atteler, je vais m'y lancer et il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Voilà. Voilà. Et donc, merci de m'avoir apporté ces informations et de m'avoir conforté dans ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours de Pâques en me disant, il faut que j'engage ça. Voilà, merci beaucoup. Et merci Roger. Merci Philippe. Justement, c'est l'occasion de passer le bâton de Moïse à Luc. Pour ton mot de la fin, Luc, et qu'est-ce que tu réponds à cette question de Michel? Ben, j'y répondrai par une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, lorsqu'il nous est dit l'importance de connaître Christ, donc c'est une relation, et la puissance de sa résurrection. Et donc, voilà, de cheminer, continuer à cheminer et développer une relation que lui-même attend beaucoup plus que nous-mêmes, parce qu'il veut une relation avec nous. Et c'est dans le cadre de cette relation que l'on est changé,
On ne peut pas se changer soi-même. On n'ira que dans de déception en déception, mais c'est la relation qui nous change. Et donc voilà, mon conseil, ben, c'est Philippiens, ben, connaître le Christ et la puissance, c'est le mot dynamis de sa résurrection. Et ça, vous savez, c'est comme quand on met les doigts dans une prise, on prend du jus, hein, et on prend une décharge. Et bien voilà, moi je vous souhaite une bonne décharge de vie, alors que vous mettez, il y a le geste à faire quand même de mettre la main dans sa main, de dire reste avec moi, et voilà, connaître le Christ et la puissance de sa résurrection dans toutes les dimensions de votre vie. C'est ce que non seulement je vous souhaite, mais qu'on veut prier pour chacun de vous, pour moi aussi, nous tous. En tout cas, merci à chacun pour son cœur ouvert. On chemine tous ici. On est édifiés parce qu'on partage autour d'une personne qui est vivante aujourd'hui. Et j'espère que vous avez ressenti quelque chose de sa présence et que ça vous donne soif, eh ben, de développer cette amitié. Parce que Jésus veut faire de nous des amis, pas seulement des connaissances ou des adeptes, mais des amis. Voilà, c'est l'immense privilège de l'être humain, de devenir l'ami de Dieu. Ça paraît dingue, mais c'est possible, il nous l'a dit. Voilà, un mot de la fin. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci Luc pour tout tes messages d'encouragement, et, de motivation, d'édification. Merci, merci, merci. Félicien, oui. À toi, merci, le mot merci, de la fin. Mais j'ai rebondi sur Michel. Michel a dit, j'ai fait comment? C'est bien. Et j'ai rebondi sur ce que Emmanuel a dit. C'est le printemps. Écoute, en fait, ce moment, c'est un moment d'interrogation pour chacune et chacun. Dieu interroge, et comme tu dis, j'ai fait comment? Mais le printemps arrive. Il y a une parole dans Jérémie, prophète Jérémie, au chapitre 1er, le verset 11, il est dit quelque chose. Jérémie, chapitre 1er, le verset 11, il est dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce qu'il veut dire ici, le Seigneur veut simplement savoir que tu comprends quelque chose, tu vois la même manière que lui, et il veut encore t'encourager, t'exhorter de ce que tu vois, et il dit, l'amandier que tu vois, c'est le premier arbre fruitier qui fleurit en premier à printemps en Israël. Quand les autres n'ont pas encore, l'amandier a déjà donné des fleurs. Et il dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, Dieu a entendu nos requêtes, nos temps de traverser pour aller à Emmaüs, nos doutes qui nous accompagnent, mais il veut simplement que nous puissions voir comme lui, de croire en lui sans pour autant voir. Et c'est comme cela que nous verrons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et qu'il se manifeste et qu'il nous éclaire et qu'il puisse répondre à toutes nos requêtes. C'est Pâques, c'est printemps. Gardez le sourire, gardez l'espérance, et l'espérance ne trompe jamais. Soyez bénis. Merci, Roger.
Merci, Félicien. Merci à tous. Alors, pour finir, eh bien, les habitués, vous connaissez, on va faire notre prière toute simple que je vous invite à faire le matin, le soir, le midi, chaque fois que tu en as besoin. Et pour ça, je vais vous demander de vous lever. Si vous pouvez vous lever, stand up. Ok, tout le monde est debout. Alors, on y va. Fermez les yeux si vous préférez. Et vous répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vous entends, mettez tous le micro. Je recommence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Sois mon Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je vous invite à répéter régulièrement cette prière, ainsi que les prières que vous connaissez tous dans Matthieu. Je crois que c'est Matthieu 6, dans le chapitre 6, le Notre Père, que ce soit le Je vous salue Marie, soyez dans la prière. Mais je voudrais reprendre un message qui m'a beaucoup touché hier. C'était une pasteur d'âme, c'est pas courant, irlandaise, Sharon, qui nous parle d'être dans la joie. Et c'est aussi quelque chose que mon ami pasteur Félicien me dit souvent, d'être dans la joie. Et il y a un passage dans l'évangile de Jean, je ne sais plus si c'est le chapitre 15, ou je crois que c'est le chapitre 15, quand Jésus dit, je vous ai dit tout cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Quand on parle de joie, je vous parle souvent parce qu'on se connaît à travers mes programmes ou mes séminaires, je vous parle souvent de l'importance de l'enthousiasme, le souffle divin. Mais quand tu as la joie, mais tout est possible. Soyez dans la joie. Et j'ai beaucoup aimé dans le prêche du pasteur hier, quand elle disait, Jésus, il a vécu sa passion, il savait par où il allait passer, mais il avait une vision. Il voyait ce qui allait se passer après. Il était focalisé, il voyait, il était dans la joie de la résurrection. Et ce que j'en ai retiré, je vous laisserai méditer là-dessus, quand tu es dans ta vision, quand tu sais où tu veux aller, tu ne vas pas passer par une crucifixion comme Jésus, mais tu vas peut-être passer par des moments difficiles, mais c'est ta vision qui va te garder dans la joie. Et l'important, soyez dans la joie, parce que c'est ça qui va faire la différence. Peut-être j'aimerais, en une minute, demander à nos deux amis pasteurs de rebondir justement sur l'importance de la joie pour aller chercher sa vision. Vu que tu parlais d'espérance, Félicien. Peut-être je vais laisser à toi, Félicien. Je vois que tu es déjà prêt et Luc finira. Et ensuite, je demanderai au pasteur de vous bénir. On ne t'entend pas, Félicien. Je pense ici à Annie, qui est en RDC au Congo. Et au Congo, quand la joie n'y est plus, les routes ne sont pas bonnes, il faut avoir une voiture Jeep 4x4. Et le 4x4, ici, dans tout ce qu'on peut traverser, c'est Philippiens chapitre 4, verset 4, qui dit simplement « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Ah, j'aime bien le texte parce qu'il dit, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ma prière. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si ça vient à manquer, réjouissez-vous encore. C'est lui qui le dit et il est là pour garder notre cœur et il nous donne la paix qui surpasse toute la paix pour pouvoir nous garder dans cette espérance. Amen. Merci, pasteur. Luc, je te... En quelques secondes, que penses-tu de ce... La joie, la vision, et si tu peux mais bénir tout notre groupe. L'Esprit du Seigneur est un esprit de joie. Amen. Et son ministère, c'est de changer le deuil en allégresse. Amen. Et l'Esprit du Seigneur, il est sur nous, il est avec nous. Eh bien, Seigneur, moi, je te bénis pour cette soirée, pour ces partages, pour ces cœurs à cœur, pour ta parole au cœur qui nous touche, qui nous interpelle. Et Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur chacun de nous. J'appelle le vent de ton esprit pour balayer tout ce qui est deuil, amertume, doute, et nous remplir du souffle qui vient d'en haut, qui vient du ciel, du royaume de Dieu. Et le royaume, c'est la joie et la paix en Jésus-Christ. Et bien que la paix et la joie nous accompagne et soit sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée à tous. On va certainement vous donner rendez-vous, je dois en parler avec Félicien et avec Luc, certainement pour le lundi de Pentecôte, on reviendra vers vous, ça sera un plaisir de vous retrouver, c'est dans 50 jours. Je crois que c'est 40 plus 10, 50 jours après Pâques, ce autre grand moment, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et sur nous tous. Excellente soirée à tous, soyez tous bénis, merci à tous, merci à toi Félicien, merci Luc, soyez bénis les amis.